Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Ah voilà. Parfait. Il est bien ça, monsieur? C'est fait pour voler? Alors ça, tu vois, non, c'est un vrai jeu pour les adultes, avec des règles compliquées. On va jouer sur une table, on va jouer son vaisseau, il va falloir prendre des risques, on va combattre comme ça, enfin voilà, c'est... Tu verras plus tard, pour l'instant, c'est pas ton âge. Eh non, comme le monsieur t'a dit, c'est pas un jouet. Alors, la prochaine fois, quand merci on sera beaucoup. Plus grande. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi un peu particulière. Salut Alex. Salut. Elle est particulière parce qu'on fête les 3000 abonnés, donc oui. Enfin même plus, maintenant on doit être à 3030. Tout à fait. Donc, merci beaucoup de nous suivre, de nous soutenir. Et on aurait voulu vous faire une super vidéo d'actualité ludique comme on le fait régulièrement toutes les semaines. Mais l'actualité ludique n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Alors, comme grand cadeau pour vous, les 3000 abonnés, on s'est plié en quatre pour récupérer des tas d'exclusivités. Et cette vidéo du vendredi va vous présenter en avant-première plus d'une vingtaine de jeux pas encore sortis, en vous montrant les règles, le matériel, etc. On espère que ça vous fera plaisir, c'est notre manière à nous de vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Toute l'équipe s'est pliée en quatre, on est tous là, et ce petit bonhomme, ça va être le fil conducteur, et je l'envoie tout de suite à Antoine qui commence cette vidéo du vendredi. À toi Antoine. Merci Thomas. Salut Alex, salut YouTube. Salut. Et donc on va commencer avec cette première exclue avec Hyper Futé, le nouveau-né de la gamme, très futé après très futé et vraiment très futé. Ces jeux de Roll and Write dans lesquels la couleur des dés que vous allez choisir va influencer une petite zone de couleur et vous allez donc cocher des choses, inscrire des valeurs dans ces zones pour essayer d'optimiser vos points. Alors quelles sont les nouveautés de Hyper Futé? Eh bien déjà première chose, l'ordre dans lequel vous allez choisir les dés va avoir une importance et notamment une grande importance avec le dé jaune. Puisque s'il est choisi en premier, deuxième ou troisième, on va les placer à l'emplacement ici correspondant, et bien on va aller cocher les cases de la ligne correspondante également. Il va y avoir le dé turquoise, celui-ci vous allez l'adorer ou le détester. Vous allez marquer ici dans la petite zone turquoise des points correspondant à la valeur. Donc si j'ai un 2, je vais pouvoir cocher un 2. Mmh. Mais par exemple, si je l'ai choisi en deuxième et qu'il y avait déjà un 2 au préalable, je vais pouvoir cocher 2, 2. Mmh. Ou s'il est en troisième et qu'il y avait déjà 2, 2, je vais aller cocher 3, 2 et ainsi de suite. Attention, le dé turquoise, donc il est à double tranchant, puisque s'il est dans la zone du plateau d'argent pour les autres joueurs vont pouvoir faire de même. Mmh. Ensuite, nous avons ici le dé bleu, vous allez partir de 7. Il faudra obtenir toujours une valeur de plus 1 ou de moins 1. Donc par exemple, à droite du 7, 8, puis 9, puis 10, etc. Et puis à gauche, eh bien 6, 5, 4, 3. Sachant que si on arrive à avoir 7 en l'additionnant avec le dé blanc, eh bien on va réinitialiser cette valeur. Je mets un 7 et puis je repars de mon 7 en allant croissant ou décroissant. Nous avons ensuite le petit dé marron. Le dé marron, eh bien, vous allez devoir compléter de gauche à droite dans le sens de lecture. Il faudra d'abord mettre un 1, puis un 5, puis un 3, etc. Mais on pourra choisir de sauter des cases. Attention, bien sûr, on ne pourra pas revenir en arrière. Et okay. Si j'arrive à entourer un bonus, eh bien, je récupérerai le bonus, évidemment. Pour terminer, la petite nouveauté, le dé rose. Ici, je vais inscrire une valeur. Cette valeur, elle sera soit divisée par 2. Donc, par exemple, si je mets un 6, ce sera un 3. Et je récupère le petit bonus correspondant. Là, il y a plein de bonus à aller chercher dans le rose. Soit je vais multiplier par 2 la valeur et on fera eh bien, simplement la somme de toutes les valeurs qu'on a mis dans la petite zone rose. Ok. Et voici, c'était donc la première présentation. Je passe le meeple à Alice. Attention Alice, c'est parti. Merci Antoine. Salut YouTube! Alors, à mon tour de vous présenter une super exclue parce que c'est un prototype, vous voyez, vous avez la chance d'admirer un véritable prototype qui ne sort pas avant très très longtemps. C'est de la part de Matago qui nous sort donc Platypus, qui est un jeu coopératif de déduction sur une base d'indices qui seront des petits mots comme ceci. Ça va être un jeu où on va afficher ici plein de mots. On va avoir de tout, que ce soit des objets ou des personnages, comme vous voyez ici on a Jean-Claude Van Damme, le bonhomme de neige, du lait avarié, des elfes, des dragons, voilà, il y a vraiment de tout. On va avoir parmi eux un platypus à retrouver. Le platypus c'est un nom en fait pour dire ornithorynque, voilà, c'est un petit animal très mystérieux. Et donc on va piocher quelqu'un
ou plutôt un duo, ça dépend du nombre de joueurs que vous êtes, vous allez faire deviner aux autres de votre gang de joueurs où est le platypus. Donc je vais piocher dans ce petit paquet le numéro, que je vais regarder secrètement, du platypus où il est planqué. Bon, bah là, vous voyez, hein, c'est la sirène. Ok. Hop. Chacun a 8 cartes d'indices dans ses mains. Donc comme je vous ai dit, les indices, c'est des mots, des adjectifs même. Ce qu'il doit faire deviner le platypus aux autres, ont ce petit jeton platypus pour les marquer. Eh bien, ils vont poser des petits indices. Voilà. D'accord. Chacun leur tour pour faire deviner aux autres qu'ils vont éliminer au fur et à mesure pour à la fin qu'il ne reste que le platypus. D'accord. Donc ici, pour faire deviner la petite sirène, moi je mets silencieux. Ça fait sens, non ? Ça me semble. Hein, ça fait plutôt sens. Oui. Et tous ensemble, du moins les autres joueurs, vont éliminer au fur et à mesure des personnages ou du moins des mots. Alors pour les éliminer, ils ont le droit d'éliminer un mot ou plus, mais c'est risqué évidemment d'en éliminer plus, hein, avec peu d'indices. Donc une fois qu'ils ont éliminé, en réfléchissant entre eux, débat, etc., on va, l'autre coéquipier qui fait deviner, poser un autre indice. Alors, peut-être pas mettre musclé, hein, j'imagine pas trop. Voilà, hop, elle est douce. On fait avec ce qu'on a, parce que des fois on a des adjectifs pas très concordants, mais voilà, on fait comme on peut et les autres vont continuer à éliminer au fur et à mesure. On ne repioche pas de cartes indices, donc au fur et à mesure ça devient très compliqué et en plus on ne communique pas avec notre coéquipier, donc des fois il sort des adjectifs, on le regarde avec des grands yeux et on se demande qu'est-ce qu'il est en train de penser là. Voilà, une fois que la platypus est retrouvée, si vous y arrivez, sinon on a tous perdu, eh bien on va enlever le mot du platypus et on va en reposer des nouveaux. Mais par contre, personne ne repioche d'adjectifs. Donc ça va être vraiment de plus en plus dur à chaque manche où il y aura quand même de nouveaux platypus, mais sans nouveaux adjectifs. Ok. Voilà, c'est un jeu coopératif que j'ai grande hâte de voir en boutique. Très bien. Alors, maintenant, je passe le relais à Thomas. Merci Alice, et on continue ces exclusivités avec la nouvelle boîte de Unmatch qui nous a été envoyée par Yellow. Unmatch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce jeu dans lequel vous allez faire affronter des figures, des légendes de l'histoire, de la littérature. Donc dans la boîte de base, il y avait Méduse, il y avait Sinbad le marin, il y avait Alice au Pays des Merveilles, et il y avait le roi Arthur, et voici, et ça j'adore, Robin des Bois contre Bigfoot. Alors c'est une boîte qui peut se rajouter à la boîte de base, mais qui peut se jouer toute seule, puisqu'elle vient avec son petit plateau, la forêt pour Robin des Bois, de l'autre côté, l'environnement de Bigfoot. Donc, le jeu, vous voyez, hein, Robin des Bois, la figurine est trop trop classe. Oui. On voit bien là, il est trop classe. Il vient avec ses hors-la-loi, Bigfoot, lui, il vient avec son jackalope. C'est le principe du jeu, on a chacun des petits personnages annexes. On va devoir faire baisser les points de vie de son adversaire, on va devoir gérer sa main de carte. Donc là, si je prends Bigfoot, vous voyez, il y a qui combat en mêlée, que Jackalope combat en mêlée, évidemment, puisque c'est un bourrin, Bigfoot. Il se déplace de 3, il y a des petites particularités, puis là, on voit qu'il va taper à 6, ça c'est la gestion de sa main de carte, donc c'est un jeu de gestion de main de carte, typiquement. Quand vous n'avez plus carte en main, vous êtes très mal. Donc il faut que vous gériez bien votre prise de carte et votre pioche de carte. On voit qu'il est très violent, on voit qu'il va pouvoir se déplacer de 5 cases au maximum et déplacer Bigfoot à travers des cases occupées par des combattants adverses, ce qui était normalement une règle qui n'était pas possible, et donc grâce à Bigfoot vous allez pouvoir le faire. Vous avez de la défense très forte, vous avez plein de choses sympas, la sauvagerie, bref, on sent que ça va être un personnage qui va peut-être pouvoir faire mordre la poussière à Méduse, qui est un des personnages les plus forts de la boîte de base, et j'ai bien envie moi de tenter Bigfoot contre Méduse. Sans ça, Robin des Bois, il arrive avec ses hors-la-loi, ils sont 4, eux ils se battent en mêlée, Robin des Bois dit forcément c'est un archer, il se déplace que de 2, on voit qu'il a l'œil du chasseur, un dégât à 5, attention, on voit qu'il va pouvoir voler au riche, piocher une carte, il y a beaucoup de pioches chez Robin des Bois, piocher autant de cartes, le nombre de dégâts infligés au combat, temps adverse, vous avez après le combat, piocher deux cartes, on sent que Robin des Bois va vraiment aller chercher les cartes qui l'intéressent, les vols de grand chemin, voilà, l'embuscade pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard, ajouter sa valeur de boost à la valeur de cette carte, c'est du combat qui va être très 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 intéressant entre ces deux là, toujours très agréable, les lignes de vue là on les voit très très bien, donc quand on est sur une case d'une couleur, on peut taper sur les cases de la même couleur, donc on sait que si Robin des Bois est là, il peut taper sur toutes les cases qui ont la même couleur que lui, on va se déplacer, on va s'affronter, on a hâte que Robin des Bois contre Bigfoot arrive, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Et je passe le relais à Mathis, Mathis qui va vous présenter, hop, un nouveau jeu. Merci Thomas. On se retrouve pour Tiny Acrobat. Yes. C'est un jeu Matago en fait qui se passe dans l'univers de Meeple Circus. C'est un jeu
de gestion de spectacle de cirque, dans lequel on va devoir préparer à travers trois rondes le meilleur spectacle possible pour les gens. Comment ça se passe? Je vais aller prendre une carte en fait de matériel qui va venir s'ajouter au personnage et au matériel que j'ai déjà de départ. À chaque tour, on va venir en rajouter un petit peu plus, à part sur le dernier. Et l'objectif, c'est d'être simultané. En fait, tout le monde va prendre son matériel et jouer ensuite en simultané, où on va devoir empiler en fait nos petits meeples et réaliser des actions, en fait, des empilements spécifiques, comme vous pouvez le voir en fait sur ces cartes-là, qui vont en fait récompenser ces actions précises-là. Et en même temps, on va essayer de monter le plus haut possible. Pourquoi? Parce que plus on va monter haut et plus les applaudissements qu'on va récolter vont monter. Le but du jeu, c'est tout simplement d'avoir le plus d'applaudissements possible, indiqué comme ça par la petite piste de score. Et on va aussi utiliser en fin de partie des personnages très uniques, des humains et des animaux qui ont tous leurs petites spécificités et qui ont en plus des meeples de grande qualité dans ce petit jeu de dextérité en fait qui est tout simple et accessible à tous. Et globalement, c'est ça le jeu. On va être dans, vraiment dans l'univers du spectacle et l'objectif, ça va être de proposer quelque chose de qualité à nos spectateurs. Cool. En tout cas, je vais passer ce petit meeple magique à ma prochaine cible. Et ça, c'est Antoine. Attrape Antoine. Merci Mathis. Voici Pokénroll. Pokénroll, c'est un jeu de dés et de prise de risque dans lequel il faudra faire le meilleur score possible sur mon petit plateau individuel en réalisant des figures du poker. Comment ça va se passer? À chaque manche, on pourra faire des petites croix dans chacun des ronds des différentes lignes. Lorsqu'un joueur aura complété une ligne, on arrivera donc à la dernière manche et on comptera les points. Une manche se déroule comme ceci. Nous avons les trois dés blancs au milieu. Chaque joueur a ses propres dés de sa propre couleur. On va jeter tout ceci. Hop là. Je regarde le résultat. Ouh, 3-3, c'est très bien. Je regarde les résultats dans mon gobelet. Et donc, là, j'ai le choix. Soit, je m'arrête maintenant. Je dévoile mes dés aux autres joueurs. Je vais aller cocher eh bien, la figure que j'ai réussi à faire. Et je vais aussi cocher la dernière ligne. Une ligne qui me récompense pour avoir joué secure, pour avoir joué la sécurité et m'être arrêté au premier tour. Soit, je ne fais pas ça. Non, 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 je décide de continuer au deuxième tour. Pourquoi est-ce que je ferai ça? Eh bien, parce qu'au deuxième tour, on va jeter un autre dé. Donc, je pourrais faire potentiellement une meilleure figure sur mon plateau, sachant que plus on va monter ici dans le plateau, plus les figures vont être compliquées, mais ça va faire des multiplicateurs de points. Ou alors, je peux choisir de ne pas m'arrêter là, d'aller au troisième tour. Au troisième tour, on lancera le dernier dé blanc. Et donc là, attention, prise de risque, puisque à ce tour-là, il y aura un seul joueur qui va marquer les points. Les autres joueurs ne marqueront rien, et c'est le joueur qui aura la meilleure combinaison. Alors, les joueurs qui ne marqueront rien, ceux qui sont encore en lice, ceux qui auront eu la bonne idée de s'arrêter avant, eh bien, eux, ils vont quand même conserver les points qu'ils avaient déjà notés. C'est simple, c'est diablement efficace, je pense que ça va s'imposer comme un classique des jeux de prise de risque. Et attention, hop, il y a un mode expert pour, eh bien, quand on a envie de faire un gros gros jeu, ou simplement, on peut y aller tranquillement, c'est au choix. Hop. Et j'envoie le meeple à toi-même. Eh oui. Merci Antoine. Salut, salut, et suivez-moi avec votre dirigeable pour Cloud Edge, un jeu de Alexander Pfister accompagné de Arnaud Steinwender. Alexander Pfister, très facile à dire, a fait entre autres Maracaibo. Et on retrouve un peu ça dans Cloud Edge, notamment par rapport aux chapitres qui vont en fait vous permettre de faire différentes mises en place. Comment ça va se passer ici dans Cloud Edge? Ici, vous avez un plateau, alors j'ai mis qu'une partie. Vous aurez en fait différentes cités que vous allez pouvoir visiter pour entre autres récupérer des ressources. Le but du jeu ici, alors ça va être une course, mais surtout de points de victoire. Vous allez pouvoir déplacer votre dirigeable au fur et à mesure du jeu. Et vous allez avoir en fait à récupérer notamment des ressources pour les transformer plus tard en points de victoire et essayer de fertiliser un petit peu tout ce plateau. Vous allez avoir ici un marqueur de tour qui est en fait en dessous de votre dirigeable. Ici votre dirigeable, alors j'aime beaucoup ce côté un peu puzzle. Vous allez avoir des possibilités de modifier vos réacteurs en dépensant des ressources pour avoir du déplacement supplémentaire. Ici vous aurez aussi la possibilité de débloquer différentes actions, notamment pour les attaques, parce que vous verrez qu'on peut attaquer des gens, ça c'est très sympa pour piller les ressources. Et ici vous aurez aussi moyen de débloquer des actions pour des points de victoire. Ce qui va se passer ici, donc dans une première phase, c'est qu'on va avoir la possibilité de réaliser différentes actions, notamment de piocher des cartes. Ça c'est hyper malin, je t'envoie ici Mathis par rapport aux cartes, puisqu'en fait je vais piocher deux cartes, et sur ces valeurs là, pardon, sur ces cartes-là, on va avoir deux valeurs. Ici, vous avez une valeur forte et une valeur faible. La valeur faible vous permet de récupérer, entre autres, des ressources, notamment de l'énergie, mais aussi, par ici, on peut voir qu'on peut gagner de l'eau. Et ici, des petits bouts de pierre ou d'acier. Vous avez aussi la possibilité, du coup, avec la valeur la plus haute, de déplacer votre dirigeable et notamment d'atteindre des cités. Et ce passage-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, à ce niveau-là, vous avez ce petit matériel que j'adore, qui est en fait une sorte de protège, alors pas carte, mais paquet,
que vous glissez de façon à masquer les ressources. Donc en fait, vous allez essayer de potentiellement imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans cette ville-là. Donc vous avez trois paquets disponibles qui offrent différentes possibilités. Et en fait, derrière, quand vous allez révéler la carte, vous verrez réellement ce que vous allez gagner. Hop, ici. Donc là, vous avez de l'énergie. Là, comme je rappelais, de l'acier. Là, vous pouvez piocher des cartes. Et là, notamment, de l'eau. Ces choses-là, comment on les récupère? Mais tout simplement en plaçant ici votre petit drone, récupérer les différentes ressources sur le plateau ici présent. Vous avez la possibilité notamment de construire plus tard des projets qui ressemblent à ceci, qui ont un coût et qui vous donnent des bonus. Alors les bonus, j'en avais parlé notamment pour les différents dégâts, ça vous sert justement pour payer, pour piller pardon, des villes. Ici, quand vous avez une valeur d'attaque qui est égale ou supérieure à la ville, vous récupérez la ressource indiquée ici. Ici, on a un code couleur, pourquoi? Parce que ces actions-là de couleur vont aller en dessous du plateau, dans les emplacements indiqués ici. Donc, comme je disais, la face bleue ici, c'est le déplacement. Et ensuite, ici, on a le placement des drones. Donc, c'est un jeu qui va rassembler le jeu de gestion de ressources et également un peu de deck building. Alors, ça fait encore des néons comme ça, un peu en anglais pour se la péter. Mais le deck building, en gros, c'est le principe de rajouter des cartes dans votre paquet de base. Parce qu'ici, vous avez des cartes de base qui sont attribuées à chacun des joueurs qui sont identiques. Et lorsque vous récupérez des ressources, vous récupérez également la carte. Et donc, ainsi, sa valeur ira s'ajouter dans votre paquet. La partie prend fin lorsque les cubes que vous voyez ici, à chaque fin de manche, vont disparaître, en fait, vont se décaler. Et au fur et à mesure du coup des différentes manches, on va gagner différents types de ressources. Et lorsqu'il n'y en a plus, on fait le décompte des points ici et ici. Et celui qui en a le plus va pouvoir remporter la partie. Voilà, Cloud Edge, c'est quand même un jeu assez, alors pas forcément très très costaud, mais qui va apporter un côté très novateur, notamment sur ce petit choix de gestion de ressources que j'adore, je sais, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça vraiment top d'avoir mis des petits protège-cartes pour masquer l'emplacement, ce qui donne un petit côté, un petit sel de prise de risque dans la gestion de ressources. Voilà, c'était Cloud Edge, et je vais maintenant passer le petit roi à Alice. Allez! Yes, merci Alex! Eh oui! Voici la ville du bonheur, Happy City. Oui, super traduction. Ça sera chez Cocktail Games et distribué par Asmodée. Alors, ce jeu, eh bien, tout simplement, on va construire notre ville parfaite avec plein de gens hyper heureux. J'adore, c'est trop mignon. En fait, ça va être un jeu où on va un petit peu construire notre engin de jeu, comme on peut le retrouver dans Splendor. Mmh. Voilà. Pour ça, on va construire notre ville qui va commencer avec un happy market. Voilà, mmh. Tout est happy et mignon dans cette ville. Donc, chacun va construire sa ville. Le but du jeu, c'est d'avoir donc du coup une population extrêmement heureuse, mmh, et nombreuse. Parce que vous allez multiplier le nombre d'habitants dans votre ville par leur bonheur que vous allez trouver dans ces petits cœurs. Ok. Voilà. Alors, chacun donc, comme j'ai dit, son petit market, deux pièces pour commencer. Et notre tour va être très simple. On va avoir le choix de révéler jusqu'à trois cartes. Ou même on est obligé de révéler trois cartes, okay, parmi ces trois pioches différentes. Mmh. Les premières pioches, comme vous le voyez, ça fera des bâtiments fort peu chers. Voici, ici, un petit peu plus cher, et là, vachement cher. Bon, au début du jeu, comme on n'a pas beaucoup de sous, on va plutôt aller voir ces bâtiments-là. Hop, je vais donc en révéler 3, et je vais pouvoir choisir d'en acheter un si je veux avec les petits sous. Ok. Si je ne veux pas acheter ou ne peux pas acheter, je peux décider de passer mon tour et prendre une petite pièce qui, mmh, m'aidera à acheter dans le prochain tour. Ou alors, je peux décider de récupérer une des habitations qui sont ici. Donc, vous voyez, hein, plus c'est petit et plus c'est pas, oui, cher. Une petite maison. Et avec des petits bonhommes dedans. Sinon, eh bien, prochain joueur, il aura le choix. Il peut soit prendre directement dans les villes, enfin dans les bâtiments dévoilés, soit, mmh, il peut défausser une des cartes pour pouvoir en révéler des nouvelles, parce que comme je vous ai dit, on ne peut afficher que 3 cartes à la fois à chaque fois. Okay. Donc des fois on a vachement intérêt à déblayer un peu pour pouvoir afficher des nouveaux bâtiments qui nous intéressent, ou aussi enlever des bâtiments qui intéresseraient d'autres joueurs et qu'on n'a pas envie de leur laisser. Hop,
On va continuer comme ça, et à chaque début de manche, donc quand chacun des joueurs aura joué une fois, on fera la période des récoltes. Les récoltes, comment ça se fait? Bah oui, il faut récolter de l'argent, hein, parce que comment on peut acheter ces nouveaux bâtiments? Eh bien, grâce à des bâtiments, donc celui-ci va déjà nous donner une pièce, mais si j'en avais d'autres dans ma ville, vous voyez, je vais gagner une deuxième pièce, etc. etc. Okay. C'est comme ça qu'on va construire son engin de jeu, comme je vous ai dit, parce que bah, il faut se faire des pièces pour pouvoir acheter des bâtiments de plus en plus intéressants qui nous apporteront bonheur et bâtiments. Pardon, et habitants, c'est presque pareil. Le dernier truc, c'est que c'est une course aussi à l'objectif qui sont ici. Il y a des bâtiments spéciaux qu'on va tirer au début du jeu, il y en a plein des différents, qui ont tous, et eh bien vous voyez, plein d'effets différents. Là, il y a du bonheur des gens, de l'argent, mais on ne peut les obtenir que sous certaines conditions. Voici, là, il faudra que dans votre ville, vous ayez minimum 2 bâtiments verts et un bâtiment orange. Okay. On ne peut en récupérer que un chacun. Chaque joueur ne pourra avoir qu'un super bâtiment dans sa ville. D'accord. Et le jeu se termine tout simplement au bout de 15 bâtiments dans sa ville. Okay. Voilà, c'est Happy City, c'est hyper mignon. Comme vous voyez, eh bien, on a des bâtiments vraiment trop cute. On a des bâtiments, hop, voilà. Vous voyez là, trop mignon. Alex, zoom s'il te plaît, zoom. Oui. Oh, regardez cette parfumerie. Voilà, c'était Happy City. Et je laisse la main à Tom. Merci Alice, et on va quitter la beauté de ta ville de Happy City pour la forêt, la déforestation avec Endangered, espèce en voie de disparition. Donc Matago proposera deux boîtes, une boîte avec ce tigre qui vous fixe droit dans les yeux, sauve-moi, et un panda aussi, puisqu'il y aura des pandas dans la boîte également. Pour cette boîte-ci que je vais vous montrer, ben, c'est les tigres déjà. C'est un jeu extrêmement modulable parce qu'on peut choisir avec quel animal on va jouer. Il y a les tigres dans la forêt, évidemment, et il y a aussi, si tu veux bien les montrer, les petites loutres de mer qu'on va pouvoir aussi sauver sur le plateau de l'autre côté où on sera. Bah dans la mer évidemment. Selon l'animal que l'on va choisir, on va choisir un scénario. Le scénario pour les tigres, le scénario pour les loutres de mer, qui vous donne l'installation, qui vous donne les cartes à tirer, etc. Et les impacts écologiques seront différents selon les animaux. C'est un jeu coopératif. Donc, un petit peu comme dans les pandémies, vous avez différents caractères. Vous avez le juriste dans l'environnement, la zoologiste, le lobbyiste, celle qui fait des reportages télé, et puis la philanthrope. Et donc, on va choisir le personnage. Le personnage arrive avec son propre paquet de cartes. Donc là, j'ai choisi lui, mais je vous l'ai montré aussi. Voilà, chacun arrive avec son lot de cartes et son lot de dés. Voilà. Donc, j'ai choisi le juriste dans l'environnement qui arrive avec son petit lot de dés. C'est très personnalisable parce que le pouvoir de mon juriste, eh ben, je vais pouvoir le choisir pour la partie, voilà. Okay. Donc ça, c'est aussi le côté très modulable du jeu. Le but, eh bien, c'est de sauver les tigres. Et pour sauver les tigres, il faut obtenir les votes des différents pays pour qu'ils votent oui au fait que vous devez protéger l'espèce des tigres. Donc c'est un jeu où il va se passer plein de choses. Déjà, vous allez gérer ce plateau où les tigres vont de temps en temps disparaître avec des déforestations qui vont avoir lieu lorsqu'il y aura des cartes impact, et aussi lorsqu'on jettera ce dé d'impact qui indiquera dans quelle colonne, en fonction du dé, bah, hop 2, c'est dans la colonne 2 qu'aura lieu la déforestation. Okay. On va aussi essayer de gérer le déplacement de ces tigres pour qu'ils se reproduisent, parce qu'on perd à un moment s'il n'y a plus assez de tigres dans la forêt, évidemment. Et c'est un jeu de dés, voilà, comme ceci, que j'ai trouvé très malin. Je vous explique le système. C'est un système d'action, comme tu peux voir ici. On a toujours ces actions de base ici qui vont vous permettre de faire des petites choses, récolter des sous, déplacer des tigres, piocher des cartes, rajouter des cartes, et c'est là que c'est malin, c'est parce qu'on va pouvoir rajouter des cartes d'action également dans la hop, dans cette rivière là. Voilà. Okay. Et chacun va pouvoir amener sa petite contribution, et c'est ça qui rend très agréable. Une carte action, je peux la jouer, et maintenant elle offrira une nouvelle action aux autres joueurs, dont moi. C'est un jeu aussi où l'ordre du tour n'est pas décidé de manière toujours la même. D'accord. C'est-à-dire qu'on va choisir qui veut jouer à ce moment-là. Tant qu'il n'a pas joué, on a le droit de jouer. Donc ça, c'est un truc que je trouve sympa et que j'aurais aimé dans Pandémie, parce que des fois, en Pandémie, on a envie que ce soit l'autre qui joue, mais non, c'est à nous de jouer. Oui. Bah là, on peut dire, bah non, ce serait mieux que ce soit toi qui commence ce tour-là, parce que tu as la capacité de faire ça. Donc, comment ça va se passer? Ces dés vont me permettre de poser... Je vais jeter mes 3 dés. On va faire ça comme ça. Mm-hmm. Je vais poser un 1. Voilà. Je vais poser un 2 ici, faire l'action, un 3 ici. Là où ça va devenir un petit peu retors, c'est que après toi tu joues Alex, imaginons que tu joues un autre bonhomme et tu vas jeter tes dés. Et ben maintenant tu pourras poser un dé ici que s'il est supérieur à 3. Et là, supérieur à 2, et là, supérieur à 1. Donc, on va aussi discuter. Là, peut-être, si toi, tu as envie d'y aller, je vais peut-être te mettre un 3, parce que tu n'es pas sûr de jeter un 4, un 5 ou un 6. Et tu vas rajouter, toi aussi, des actions. C'est vraiment très sympa. Mais à un moment, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'aller pleurer auprès du reste des Nations Unies. Oui. Donc, on ne les connaît pas encore, ces pays. Alors, il y en a 3 qui sont plutôt
sympa, 2 moyen et 1 pas très sympa. Okay. Donc on va les révéler, il va falloir le jouer en mode calendrier. On va révéler le pays et on va voir, hop, ah, non, hop, voilà par exemple là, c'est le Canada. Et on sait ce que veut le Canada et quelle influence il y a besoin d'être posée en plus d'un GD pour que le Canada vote oui. Donc petit à petit, il va falloir libérer toutes ces cartes-là, voir quel pays est sensible à quoi. Hop, voilà, par exemple, tiens, le Japon, lui, voilà, hop, il veut l'influence que soit supérieure à au total des cartes que les joueurs ont en main. Voilà, bref, il y aura plein de petites choses comme ça. Voilà, ici, Mexique, voilà, qui veut des choses. Et dans les plus durs, la Russie, ouais, forcément, Poutine, c'est peut-être pas un copain des tigres. Donc, évidemment, ici, ce sera plus compliqué à avoir. Voilà, c'est très sympa. On gagne quand on a obtenu 4 votes. Oui, et puis voilà quoi, donc c'est un coopératif familial, original, avec un thème très très bien porté, avec une grosse modularité. On a hâte de voir débouler cette jolie boîte avec un tigre aux yeux verts dans notre magasin. Et je donne la parole à Alice qui continue avec un très beau jeu. Merci Thomas. Voici le magnifique, le fabuleux, le merveilleux Everdale. Everdale, cette magnificence que nous voyons ici. Alors oui, ça prend de la place, hein, faut le dire, voilà, mais c'est une place qui vaut carrément le coup, hein. J'espère que tu montres tout ça très bien, Alex. Oui. Everdale, alors l'histoire, c'est que nous sommes eh bien, des petits habitants de la forêt qui partons explorer la grande lande sous l'ombrage de ce magnifique arbre sacré pour eh bien, trouver un nouvel emplacement pour construire notre cité. Donc chaque petit clan d'animaux, donc comme vous voyez, il y aura les lapins, les tortues, les hérissons, il y a plein de petits animaux, chacun va être un clan et va construire sa cité devant lui. Ça va être en fait, plus concrètement, un jeu de chaînage, de course à l'objectif, de combo de cartes, à peu près. Il est très riche, déjà, je vous le dis, et en même temps, il est très accessible. Voilà, c'est vraiment un super bon mélange, et avec, bon bah encore une fois, un matos qui fait rêver. Alors, le jeu va se dérouler en 4 manches, qui seront en fait les 4 saisons. Nous avons le printemps, l'été, l'automne, et en fait on commence en hiver techniquement. Tout à fait. Voilà, on commence, voilà, on prépare l'année, hein, forcément pendant l'hiver, on prépare le reste de l'année. Chacun va avoir au début 2 petits pions de sa couleur, de son peuple. Et en fait, à chaque fin de manche, on va récupérer un nouveau petit pion. Voilà, à la dernière manche on en récupère 2. Donc à la fin on a plein de pions. Ces pions c'est quoi? Eh bien ce sont des ouvriers. Voilà, ça c'est aussi une autre mécanique, c'est de la pose d'ouvriers. Voilà. Tout à fait. Et on a aussi, dernière mécanique, des gestions de ressources. Voilà. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. À notre tour, chacun notre tour, on va poser un de nos ouvriers sur les nombreux emplacements du plateau. Chaque emplacement va être différent. Alors on a des emplacements qui sont toujours les mêmes ici, mais on a des emplacements de forêt qui sont gérés par des cartes, donc qu'il y en a beaucoup beaucoup. Donc à chaque fois, chaque partie va être différente puisque vous les piochez au hasard. Donc en posant notre petit ouvrier sur un endroit, eh bien on va faire l'effet de cet endroit. Par exemple, si je pose mon écureuil ici, je vais pouvoir gagner 3 cartes et un petit caillou. Donc je vais piocher ces cartes dans cette magnifique pioche et prendre des petits cailloux. Les cartes, ensuite, je peux les jouer. Comment je peux les jouer? Eh bien, je peux les jouer de ma main ou du marché qui est affiché ici. Pour les jouer, il faut payer les coûts qui sont marqués en haut à gauche, en ressources. C'est à ça que servent ces ressources. Pour les jouer, ensuite, vous dépensez vos ressources et vous les mettez dans votre ville. Une ville ne peut comporter que 15 bâtiments, 15 cartes. Et les bâtiments ont plusieurs dénominations. On ne peut avoir que une seule dénomination de chaque construction unique. Après, il y a des constructions communes. Celles-là, comme elles sont communes, on peut en avoir plein. Tout à fait. Voilà, ça c'est pour construire vos bâtiments. À quoi servent ces bâtiments? Voyons, que me direz-vous? Eh bien, il y en a qui vont avoir des effets sur l'instant où vous le construisez. Par exemple, celui-ci. Eh bien, quand vous le construisez, vous gagnez immédiatement un de résine. Voici. Vous le mettez dans votre petite réserve. Il y en a d'autres qui vont avoir des pouvoirs à faire en fin de manche ou à la fin du jeu ou sous certaines conditions. Tout est marqué bien clairement sur chaque carte. L'interaction principale va être au niveau du marché, puisque bah, premier arrivé, premier servi. Oui. On va être aussi sur les emplacements ici pour récupérer les différents pouvoirs et les ressources, parce que comme vous voyez, il va avoir 2 emplacements. Celui avec un cercle fermé, qui veut dire que premier arrivé, premier servi, il n'y en a qu'un. Et ceux avec le cercle ouvert, eh bien, on peut être plusieurs dessus. Voilà. Ensuite, on va avoir une autre interaction qui est au niveau de nos bâtiments. Vous voyez ici,
il y a des bâtiments qui ont... Ah, bah vous retrouvez le même cercle. Mmh. Ça veut dire que vous pouvez aussi poser des ouvriers sur ces cercles-là. Donc dans les villes, soit vous le posez de votre réserve dans votre ville, soit c'est quelqu'un qui va venir squatter votre pouvoir. Voilà, donc déjà ça va falloir vachement le gérer, parce que des fois vous avez des pouvoirs vachement intéressants et les autres vont vous les piquer sous le nez, et vous pourrez même pas en profiter. Ça, c'est le jeu plutôt global. On va avoir donc des combos de cartes en couleur, on va avoir des points de victoire purs sur chaque bâtiment, et on va avoir ici des objectifs qui sont aussi très nombreux, donc à chaque fois on n'en sort que 4, donc vous en aurez plein d'autres à chaque partie, qui sont à récupérer, premier arrivé, premier servi, avec des objectifs. Voilà. On a aussi les objectifs de base, qui eux sont toujours les mêmes, qui sont eh bien, là pour le récupérer, il faut avoir 4 bâtiments verts pour être le premier à récupérer ceci et gagner les points de victoire associés. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Ah si, quand même une dernière. Ah si, si, j'ai dit chaînage. J'ai dit chaînage ou pas? J'ai dit chaînage. Pourquoi le chaînage? Eh bien, comme vous voyez, alors j'avais fait un parfait exemple que j'ai déjà oublié, mais en gros, ici, vous pouvez construire. Voilà, une école. Mm-hmm. Et vous voyez, là, il y a le petit dessin du professeur. Eh bien, ça veut dire que si à un moment, il y a un professeur, soit ici, soit dans votre main, ce qui était mon cas tout à l'heure, il est où? Ah, il est pas là. Si, il est là, le beau. Eh bien, vous pouvez le construire gratuitement. Et il y a un petit rappel ici, vous voyez, hop, si vous avez l'école, celui-ci, vous le faites gratuitement. Ça, c'est hyper satisfaisant quand vous arrivez à faire des chaînages comme ceci. Voilà, ça, c'était le jeu de base. Alors vraiment, je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il est tellement riche, mais tellement bien. Vous allez avoir, eh bien, bientôt la surprise de ces deux extensions. Voilà. Belfair et... Pearlbrook. Alors, Belfair, eh bien, ça va être en fait le roi de la Grande Vallée met en place un festival de fleurs. Voilà, un festival des fleurs qui va rajouter une très belle spécificité, c'est qu'on va pouvoir jouer non pas jusqu'à 4 joueurs, mais jusqu'à 5 voire 6 joueurs. Wow. 6 joueurs, et on va avoir deux nouveaux peuples, donc les amphibiens et je crois que ce sont des étourneaux. Mm-hmm. Voilà, Belfair va rajouter donc ce petit plateau du marché des fleurs. Il va rajouter des lauriers qui sont en fait des objectifs à gagner. Vous allez avoir la première place et la seconde place. En fonction, vous gagnez plus ou moins de points de victoire. Et vous allez avoir un nouvel objectif à mettre au pied de l'arbre. Voilà. Hop, autre chose. Là, je ne l'ai pas sorti parce que c'est très gros. Mais vous allez avoir un carrément tout nouveau plateau qui lui vraiment comprend tout dessus. Vous allez pouvoir y poser... Ça, en fait, ça vous remplace votre gros arbre. Voilà, c'est vraiment là où vous allez tout poser. Okay. Et dernier... Dernier grand avantage, vraiment le petit plus qui tue, ce sont ces petits plateaux. Voilà. Mmh. Ces plateaux, il y en a plein. Ils sont tous recto-verso, différents. Et c'est un plateau de joueurs. Dessus, vous pouvez eh bien, poser vos ressources quand vous les récoltez. Vous pouvez poser vos ouvriers, vous organiser comme vous voulez. Et vous pouvez ici ranger votre ville. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le petit plus pour faire plaisir, hein, très très joli. Et enfin, on va aller découvrir la rivière de Pearlbrook. Donc la rivière, elle est ici, et en fait on a découvert qu'il y avait une civilisation sous sa surface. Donc on va envoyer nos diplomates amphibiens, parce que c'est les seuls à pouvoir aller dans l'eau, mmh. pour aller eh bien, parler et faire un peu de diplomatie du coup avec ces habitants sous l'eau. On va surtout en récolter des perles, c'est une nouvelle ressource. On va aussi avoir des nouveaux objectifs et aussi on va pouvoir construire des merveilles et des choses qui vont se payer avec ces perles. Le grand truc, c'est que pour aller visiter ces lieux, on ne peut utiliser que nos diplomates, mmh. pas nos ouvriers normaux. Et on doit pouvoir remplir les conditions qui mmh. sont requises ici. Donc avoir deux bâtiments bleus dans notre ville par exemple. Premier arrivé, hop, il gagne la petite perle pour lui. Et il retourne en habitant de la rivière qui aura du coup des effets qu'on va pouvoir réaliser ou non. Voilà, ça va être la grande spécificité de Pearlbrook qui est magnifique comme tout le reste de ce jeu. Voilà, ça va être un univers très très riche qui déjà rien que la base est magnifique et très très riche. Mais vous avez vraiment de quoi faire, l'univers d'Everdale va vous ravir, j'en suis persuadée. Eh bien, je passe la suite à... Mathis. Merci Alice. Vous aimez vos amis, mais ce que vous préférez, c'est les voir tomber d'un avion sans parachute et leur piquer leur argent.
Oui. Où ça, c'est Bahamas? C'est un jeu d'ambiance extrêmement fourbe, mais très drôle, où toute la subtilité va se faire sur la sélection des dés qui vont permettre d'effectuer des actions. C'est un jeu qui est déjà connu, qui est là en boutique depuis longtemps et qui est apprécié. Et du coup, ce qui sort, c'est une extension, un game-up Bahamas Truder. Qu'est-ce que ça vient rajouter? En fait, ça vient rajouter de nouveaux personnages, avec leur pouvoir unique, bien entendu, mais aussi de nouvelles cartes actions et de nouvelles cartes butins. Les cartes butins, déjà, elles sont un peu plus fourbes maintenant, puisqu'il vous en aurez qui sont trouées et donc qui vont vous faire perdre de l'argent en fin de partie. Ah oui. Voilà, mais qu'on est content de refiler si jamais on se fait cambrioler en plein air. Tout à fait. Niveau carte action, on a bien sûr de nouvelles qui vont avoir des effets divers et variés, mais aussi des cartes d'action trou d'air. Celles-ci, elles sont un peu particulières parce que lorsqu'elles sont piochées, elles sont jouées immédiatement et donc on applique les effets tout aussi rapidement. Voilà, en fait, Bahamas Truder, c'est cette petite extension qui vient rajouter beaucoup de contenu et on est très content de l'avoir ici. Voilà. Super. Merci. Attention, je vais faire passer maintenant le flambeau à notre ami Tom. Merci Mathis, et nous allons tout de suite observer ce jeu. Yes. Alors, avant tout, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un jeu à l'état prototypal, donc c'est une belle exclusivité que nous a offert Matago en nous montrant ce jeu Murano que personnellement il m'avait déjà montré il y a un an et demi à Essen et que j'avais beaucoup aimé, et donc je suis très content de le montrer aux amoureux du jeu à la Azul, à la Sagrada, à la Splendor, mais avec un petit twist très sympa, vous allez voir. Donc Murano, si on ne connaît pas, c'est vers Venise et c'est des îles où il y a tous les artisans du verre, et vous êtes un artisan du verre, voici votre établi. Voilà, le but c'est d'avoir le plus d'argent en vendant les petites structures en verre que vous allez faire et qui vous sont imposées dans un ordre bien précis. C'est ça déjà qui est très sympa. Alors évidemment, ça va briller un peu parce que les cartes sont plastiques, n'est-ce pas? Oui. C'est ça qui est très sympa, c'est que elles sont dans un ordre très précis. C'est-à-dire que je dois faire d'abord celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Donc je sais déjà ce que je vais avoir besoin, mais je peux pas changer l'ordre sauf si je paye, évidemment. Donc il y a des petites astuces. C'est un jeu, vous allez voir, qui n'est jamais méchant, qui offre toujours plein d'opportunités et on a toujours moyen de s'en sortir. Donc de base, Murano, on va avoir ça. Et ça, c'est toute la richesse du jeu. C'est ça. Ce sera dans la boîte. Évidemment, là, c'est prototypal, mais vous avez ici le marché. Marché, vous allez récolter votre verre. Le verre blanc, c'est du verre joker pour les couleurs. Sans ça, il y a le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Donc, vous avez un marché. Vous avez à votre tour de tour, à votre tour de jeu, pardon, action collectée. C'est tourner l'entrepôt. Ceci est l'entrepôt et je vais obligatoirement tourner la petite flèche. Vous allez voir, c'est très malin. Je vais récupérer ce qui est indiqué ici. Ici, du rouge et du bleu. Je peux, si je dépense une lire ou autant de lire que je veux, faire pivoter, et c'est là que c'est génial, dans ce sens-là, si en fait je voulais récupérer un rouge et un jaune, par exemple. Ou alors, encore payer une lire, et là j'aurai un rouge et un blanc. Un blanc qui est, je le rappelle, un joker. Donc ensuite, une fois que j'ai récupéré ça, je vais le poser dans mon établi. Mon établi n'a que 8 emplacements. Et ensuite, voilà, on suit hein, tout ça, prendre les deux éclats, hop, et ensuite on va pouvoir négocier. Échanger un éclat contre X éclats. C'est-à-dire que l'éclat que j'ai gagné, alors imaginons, voilà, j'ai gagné le rouge, hein, d'accord, je vais le poser ici, dans ce marché, et je vais récolter les éclats qui sont liés à ce quart de marché. Vous voyez, les éclats de joker ne sont jamais concernés. Donc ici, un bleu et un vert. Je suis clair, Alex? Oui. Voilà. Donc ça, je peux le faire une seule fois. Donc je peux faire ça. Ou alors, je peux acheter. Voilà, acheter. Pour deux lire, je récupère tous les éclats d'un marché. Parce qu'évidemment, au début, on va remplir ces marchés pour récupérer gratos des trucs sympas. Puis après, bah, ce sera sympa d'aller récupérer ce qui a été posé par les autres. Donc beaucoup d'interactions là-dedans. Ou alors, je peux vendre. Pour un lire, je peux vendre plein d'éclats que je veux. Pourquoi je vais vendre? Bah, parce que, en fait, c'est très retors dans ce jeu-là. C'est qu'une fois que j'ai collecté mes petites ressources, je vais ensuite les dépenser, si je le peux, pour faire mon œuvre d'art. Vous voyez? Mais je vais marquer autant de points que le nombre d'emplacements libres une fois que j'aurai vidé mes ressources nécessaires. Okay. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'épurer son petit établi, parce que là, bah là je marquerai, bah si j'enlève ça, bah y a le jaune qui m'ennuie, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Voilà, on peut optimiser en faisant 2 à la suite, s'il y a un petit bonus de 2, donc on peut marquer 4 plus 2, puis à nouveau, et puis 8 si on vide tout. C'est très malin. On va pouvoir donc réaliser ces œuvres, et ces œuvres que vous voyez ont des petits symboles ici. Donc une fois que je l'ai faite, je vais la passer de ce côté-là de mon petit plateau, voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'à tout moment, je pourrais utiliser l'action, voilà, en la retournant. Et on voit ici, regarde Alex, que chaque petit symbole va me permettre de faire une petite action spéciale. Donc là, vous voyez, ça combat de ouf. C'est-à-dire que là, ça, si je le retournais, à n'importe quel moment, je peux récupérer une pierre jaune ou une pierre bleue, okay, qui peut me permettre de finir une structure. C'est très rapide, c'est très dynamique. C'est pas punitif. Ce système de roues
qui pivote dans un sens puis dans l'autre, ce qu'on va payer, tout anticiper les prochains déplacements, parce que cette roue là elle pivotera toujours de 1, il n'y a pas moyen de payer pour la changer. Donc on peut déjà dire que si j'ai pris du bleu là, le prochain ce sera du jaune, et je sais ce que mon adversaire je lui offre si je fais pivoter la deuxième roue. Vous voyez, moi j'avais envie de vous montrer Murano parce que ça sent très très bon ce jeu, vraiment, une fois qu'il sera finalisé et puis à l'état prototypal, ça peut être un très grand jeu. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Donc j'ai fini cette présentation, j'espère que vous aussi vous avez été titillé comme je l'ai été par ce Murano, et j'enchaîne avec Antoine. Antoine, à toi. Merci Thomas, et voici venir Foufoufou, plaisir d'offrir. Alors Foufoufou, plaisir d'offrir, c'est la suite, eh ben, de Foufoufou de Corentin Lebras et Théo Rivière, ce jeu d'ambiance dans lequel on va avoir des cartes posées devant nous à chaque tour qui vont s'additionner, qui vont nous donner des consignes à respecter. Évidemment, ces consignes seront plus débiles les unes que les autres. Ils fonctionnent sur le même principe, donc que j'illustre rapidement. J'ai trois petits jetons comme ceci. Je vais tirer une carte au début de mon tour. Alors attention, j'avais déjà une carte qui me dit au début de ton tour, dis promis, je n'oublie rien ce tour-ci. Alors promis, je n'oublie rien ce tour-ci. Hop, je tire ma carte. Qui me dit, après avoir lu une carte, je dis tapioca. Tapioca. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Si jamais j'avais fait une erreur, un autre joueur me dit, hey, t'as fait une erreur, et je perds un jeton. Ok, ça revient à moi, je tire une autre carte, c'est encore une jaune. Celle-ci va se mettre par-dessus la précédente. Ok, comme okay. Ça, on va pas avoir non plus trop de consignes. Et la petite nouveauté dans plaisir d'offrir, eh bien, ce sont les cartes roses, comme ceci. La carte rose, je vais la donner à un autre joueur, et comme ça, je vais lui déclarer que je souhaite être son ennemi. Voici Foufou, plaisir d'offrir. Et je vais faire un lancer de sniper. Attention. Merci Antoine. Et hop, on est parti ici pour Flourish, qui n'a jamais rêvé d'aménager son petit jardin. Et ici, en fait, ce jardin est représenté par différentes cartes qu'on aura en main. Ici, dans Flourish, pour marquer évidemment le plus de points de victoire, on va agencer ces petites fleurs, mettre des petites fontaines, faire des petites cabanes à oiseaux pour essayer de marquer le plus de points de victoire. Ici, ce qui va se passer, en fait, dans la mise en place, c'est que vous aurez chacun un petit marqueur ici de points. Donc ici pour les unités, après ici vous avez hop les dizaines et puis là les centaines si vous arrivez à faire des super gros scores, ce que je n'arrive jamais à faire moi dans tous les jeux. Vous allez avoir ici des petites murailles et ça c'est top parce qu'en fait ça vous permettra dans le jeu de savoir où est-ce que vous posez vos cartes, parce qu'il y a des cartes que vous allez poser ici de votre côté et des cartes que vous allez poser de l'autre côté. Comment ça va se passer Flourish? En fait vous allez avoir des cartes comme ça que vous allez poser et il y aura en tout 4 manches. Pourquoi 4 manches? Parce qu'en fait à chaque manche on va jouer 3 cartes. L'une après l'autre, et quand on joue une carte, en fait on la pose face cachée, puis il y a une carte que je passe de l'autre côté de la muraille à mon voisin de gauche, et une autre carte que je vais passer au voisin de droite de l'autre muraille. Et les autres joueurs, eux, vont faire pareil, donc ils vont me donner aussi une carte. C'est pour ça que ces murailles-là sont hyper lisibles. Une fois que j'ai fait ça, on révèle la carte, et on va récupérer les deux autres cartes qui nous ont été données par nos adversaires. Une fois qu'on aura joué 3 cartes, on va faire une fin de manche et on va calculer les points. Les points, c'est pas très compliqué, ils vont se calculer entre autres par rapport aux icônes qu'on voit ici. Vous avez les roses, les lauriers, les différentes fleurs bleues. Voilà, il y a des monuments aussi que vous allez devoir essayer de comboter avec d'autres cartes. L'idée, c'est que la manche, ou du moins la partie, va prendre fin lorsqu'on aura joué en tout 12 cartes. On refait un dernier calcul de points, sauf que les cartes qu'on doit donner à nos adversaires, on les donne pas pour cette manche-là. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points l'emporte. Voilà, Flourish, c'est top, c'est édité chez Matago. Il y avait une extension aussi qui sera prévue bien plus tard, mais que j'ai déjà vu un petit peu en anglais. Ça a l'air vraiment top, ça rajoute des petits bâtiments, c'est vraiment excellent. Le jeu est super bien édité. Ça, c'est juste génial parce qu'on a tous joué à Seven Wonders et on s'est toujours planté dans le draft, on ne sait pas à qui on a donné les cartes. Là, au moins, on sait à qui on donne et on sait ce qu'on reçoit. C'est top. Et maintenant, ce petit meeple-là, il va arriver chez qui? Il va arriver à Thomas. Yo! Wow, super lancé Alex, merci. Nous sommes dans le rayon deux joueurs pour vous présenter une pépite de jeu à deux joueurs qui s'appelle Objection. Objection, ça va sortir chez Novalis. Et c'est un jeu pour deux joueurs, je l'ai déjà dit, qui va se remettre un peu dans les films de tribunaux. Si vous aimez les films de John Grisham, comme je les aime, où ça se joue, vous savez, à la fin, avec des témoins qui apparaissent, on voit les avocats, la défense, on voit tout le montage du procès, etc. Et bien là, vous allez revivre ça en jeu à deux, extrêmement scénarisé, avec une histoire très très prenante et surtout une mécanique très intéressante. Alors je vais pas vous expliquer tout le jeu, mais vous expliquer globalement comment ça se passe. Déjà, il y a deux affaires, donc on peut commencer avec l'affaire L'Art du Crime. On voit ici, on va jouer avec ces jurés là, donc hein, il y a les 12 membres du jury, on les voit tous un petit peu, là c'est on va dire leur force de conviction, et il y a une espèce de jeu de tir à la corde avec des petits jetons qui sont posés, que j'ai pas encore posés, mais qui vont évoluer comme un petit jeu de tir à la corde classique, sauf que là il va falloir avoir les membres du jury pour vous. Ensuite vous allez avoir
le juge, ou la juge, qui d'office est plutôt du côté de l'accusation, comme tu peux le voir ici. Et si je la retourne, elle peut être du côté de la défense, mais ça, c'est des choses qui vont se passer pendant le procès. Vous allez avoir, alors là, je vous dis, il est extrêmement modulable. On va prendre celle-ci qui s'appelle déclaration préliminaire, qui est une stratégie pour un jeu court. Après, il y a plein d'autres manières de jouer. Par exemple, là, je vous montre la tragédie de la famille Fermont avec des nouvelles. J'ai oublié où c'était. Ben, ah oui, ça c'était en dessous, voilà. Okay. Des nouveaux personnages. Enfin bref, on peut faire des choses plus ou moins longues, des stratégies plus ou moins longues. Le jeu est très modulable pour des parties plus ou moins longues. Tout à fait. Maintenant, comment ça va se passer? Alors déjà, il y a une phase préparatoire qui est très intéressante. L'accusation a son propre paquet de cartes. La défense a son propre paquet de cartes. Et ça, c'est le paquet de l'affaire L'Art du Crime. Vous allez piocher trois cartes à votre tour, vous allez en mettre une dans votre paquet de cartes, en donner une à votre adversaire, donc c'est peut-être des preuves pas terribles que vous lui donnez, et vous allez en mettre une dans les preuves rejetées, les choses que vous voulez pas trop voir ressortir pendant l'affaire, mais malheureusement, de temps en temps, ça pourra ressortir et ça pourra faire des petits bouleversements. Vous allez vous constituer votre paquet de cartes comme ça, un petit peu à la magique, un petit peu comme ça, et ensuite, vous allez appeler le premier témoin. Donc, ils ont été choisis, pas au hasard, ils étaient indiqués là, hein, les noms qu'on vous conseille de prendre pour une partie courte. Après, il peut y en avoir plein d'autres, hein. Il y a tous ces gens-là. Bref, il y en a plein. Et vous allez appeler à la barre, ben, par exemple, on va appeler Vivienne Tarala. Donc, Vivienne Tarala, hop, on va la mettre entre mon adversaire et moi. Et ça, c'est toutes les espèces de préjugés qu'elle peut avoir ou les espèces de choses que je peux amener dans mon enquête, enfin, dans ma plaidoirie. Et les cartes que j'ai en main, vous voyez, elles ont ces symboles-là. Donc là, il va falloir, pour être cohérent dans ma plaidoirie, il va falloir que je joue des choses qui ont un rapport avec au moins un symbole de plaidoirie. Vous voyez ? Voilà. Et au fur et à mesure, eh ben, on va s'ouvrir ou pas des nouvelles plaidoiries. Par exemple, là, ben, c'est pas terrible parce que je m'ouvre pas beaucoup de plaidoiries. Celle-là, je m'en ouvre plein. Ça, c'est après l'influence que je vais prendre par rapport aux membres du jury. Quand j'atteins une certaine valeur, je peux aller sur certaines personnes. Si j'atteins 6, je peux bouger cette personne-là. Ou atteindre 1 et je bouge cette personne-là. Ça, donc, c'est la manière dont on va pouvoir influencer. De temps en temps, on va pouvoir rejeter. Objection. Rejeter un argument de la défense par exemple, ou faire un pourparler avec le juge pour justement le faire changer de camp. Exactement. Vous voyez, rebondissement, gestion de main de cartes. Alors voilà, le but c'est pas de vous expliquer, mais il y a des pouvoirs de cartes, il y a une petite histoire à chaque fois. Voilà, à cause de ce que ce monstre a fait, il y a maintenant un mari sans son épouse. Bref, il y a toute l'histoire qui vous est racontée de pourquoi vous êtes là aux assises et ce que vont amener chaque personnage. C'est passionnant. Objection, c'est une grosse boîte, plein de cartes, donc je pense que ça sortira au moins dans les 30€ pour une petite boîte comme ça. Ça fera un peu peur, mais c'est un excellent jeu à deux, d'une richesse de Seven Wonders Duel, on va dire, comme ça, où on sent toute la richesse du jeu, tous les retournements de situation et toute la stratégie de main de cartes et tout ce côté tir à la corde passionnant. Voilà, objection, surveillez bien quand ça arrivera. Si vous aimez les jeux à deux intéressants, intéressez-vous-y et je n'y vois aucune objection. Je vais ensuite enchaîner avec Antoine qui est là-bas. Antoine, à toi, plaisir d'offrir. Joie de recevoir les charlatans de Belcastel, les alchimistes, donc la deuxième extension pour les charlatans de Belcastel. Dans cette extension-là, nous allons soigner de terribles afflictions. Comme ceci, il y a donc 8 maladies à soigner, des maladies pas si terribles que ça au final quand on y regarde de plus près. Parmi ces 8, on va en tirer à chaque partie 3. Donc là, nous avons par exemple le vampirisme, l'œil de poule ou le nez carotte. Alors c'est en allemand, hein, n'y regardez pas trop près. Donc chaque joueur va pouvoir choisir une des afflictions à soigner. On peut choisir la même, c'est pas important. Quand je choisis une affliction, je vais récupérer la carte correspondante. Donc moi, je veux soigner le nez carotte. Je vais venir le mettre dans mon alambic. Alors je n'ai pas le plateau de base, mais cet alambic qui vient se mettre au-dessus de votre chaudron dans lequel vous allez faire votre potion à chaque manche. Et il va me donner des petits bonus qui correspondent à l'affliction correspondante. Donc là, par exemple, déjà, j'ai un petit bonus de départ avec le nez carotte dans mon petit sac de backbuilding, pardon. Oui. Je vais mettre un potiron supplémentaire en début de partie. Après la première phase de préparation de ma potion, je vais regarder combien de niveaux d'élixir je possède. On va regarder plusieurs choses. Ici déjà, il va y avoir la variété de mes ingrédients. Donc, par exemple, si j'ai 4 ingrédients différents au total, je monte déjà sur le 4. Ensuite, on va regarder si j'ai réussi à faire 7 avec mes ingrédients blancs comme ceci. Alors, si vous connaissez les charlatans de Belcastel, eh bien, c'est toute la difficulté du jeu parce qu'au-delà de 7, ça explose et je ne vais pas profiter de l'intégralité de mes bonus. Et bien là, il va falloir réussir à faire 7 piles. C'est encore plus fourbe. Et là où c'est encore plus fourbe, c'est que je pourrais posséder un bonus supplémentaire si mes voisins ont fait exploser leur marmite. Faudra pas être trop gourmand et en même temps c'est très tentant de faire monter notre niveau
d'élixir. Pourquoi ? Eh bien parce que par exemple, hop là, j'ai réussi à monter au niveau 6. Je regarde dans le petit tube où ça m'emmène. Bon bah là ça m'emmène nulle part. Là on va mettre, on va regarder le niveau 5. Hop, j'ai le petit bonus de la souris. On a différents bonus. Soit des bonus dont on va profiter de suite, donc par exemple des points bruts ou des points d'achat bruts, soit des petits bonus comme ceci qui vont nous faire avancer dans notre marmite. Et surtout, il y a certaines élixirs qui vont vous permettre de dépenser des niveaux d'élixir durant la prochaine phase de préparation afin d'obtenir des bonus à un moment bien précis. Par exemple, avec cet élixir-là, lorsque je tirerai une citrouille, je pourrai choisir de dépenser 2 niveaux d'élixir pour aller placer ma citrouille sur la prochaine case avec un petit diamant. Ça peut être vraiment super, ça peut me permettre de vraiment avancer dans notre potion, qu'elle soit hyper efficace. Et en plus, il va mieux valoir dépenser ces niveaux d'élixir, parce que de toute manière, à chaque fin de préparation, ça reviendra à 0. Ok. Ça va apporter énormément de gameplay, déjà que dans les charlatans de Belcastel, ça combotte de partout, et bien là, ça va en rajouter une couche. Et en plus de ça, cette extension n'est pas venue toute seule, puisqu'elle vient avec son lot de cartes divination, qui vont donc donner des conditions différentes à chaque manche. Okay. Et elle vient aussi avec un nouvel ingrédient, le chou des fous. Le chou des fous, bah, il vient à nouveau évidemment avec son bouquin double face. Le chou des fous qui va aussi beaucoup jouer sur la diversité des ingrédients que vous aurez dans votre potion. Mais ce n'est pas tout. Cette extension-là vient également avec tout le matériel pour jouer à 5 joueurs si vous possédez les sorcières sans mêle. Ok. Je récupère mon meeple. Je prépare mon tir et... Et c'est pour... Hop ! Merci Antoine ! Vous voyez ce petit pion-là, attention magie ! Ouf ! Il s'est transformé en Marie, Marie magique. C'est le jeu dont je vais vous parler. Un jeu pour les enfants, un jeu à partir de 3 ans. Ça manquait un peu de jeu pour les enfants sur cette vidéo, n'est-ce pas Alex ? Tout à fait. Et ben voilà, avec Marie magique, le tort est réparé. Marie magique, cette petite fille qui est là. En plus, regardez, elle est de dos aussi. Oh. Je trouve le petit détail très sympa. Marie magique, donc, a éparpillé partout tous les vêtements de son armoire. Et il faut qu'elle retrouve les vêtements qui sont magiques. Et dans chaque vêtement, qui sont présents en 5 exemplaires, il n'y en a 3 de magiques et 2 qui ne sont pas du tout magiques. Alors comment on va se mettre d'accord sur la magie ? À ton avis, qu'est-ce que c'est la magie ? Pour toi, pour un enfant, Alex, c'est quoi la magie ? Qu'est-ce qui peut être magique ? Le balai. Et non, c'est les aimants. Là, les enfants, ils adorent ça parce que Marie, vois-tu, elle a un petit aimant ici. Et parmi ces petites tuiles, certaines sont aimantées. Pas celle-là. Mais celle-là, oui. Voilà un balai magique. Un balai pas magique. Pour les enfants, c'est très simple. Une pile avec toutes les petites fringues qui sont partout par terre. L'enfant retourne, ou le parent. Ah, il faut... trouver la robe magique. Allez, c'est un petit risque, hein, on y va. Pas magique. Un petit peu de mémoire, va falloir se rappeler que c'est pas magique, parce qu'au fur et à mesure que les robes vont être prises, il y aura de plus en plus de robes pas magiques par rapport aux robes magiques, puisqu'au début, il y a 3 robes magiques de robes pas magiques, mais dès qu'une est prise, il y a 50-50, et dès qu'une autre est prise, il y a plus de robes pas magiques. Donc il va vraiment falloir bien se rappeler où sont les choses. Si j'ai pas trouvé, je donne Marie magique au joueur suivant qui va tenter. Ouais, c'est magique. Je le mets de côté, je prends la tuile, je révèle une nouvelle tuile. On fait ça jusqu'à ce que le paquet soit fini. À la fin, on compte, celui qui a le plus de tuiles a gagné. En cas d'égalité, tout le monde a gagné. C'est un jeu pour les enfants et les parents et les familles. C'est très réussi, c'est magique, c'est très bien fait. Il y a ce petit côté très sympa du petit stress comme ça qu'on va approcher. Oui, ça y est, j'ai un balai magique. Ouh. Et je continue en redonnant ce pion qui s'est retransformé à... Matisse, bien sûr! Merci Thomas, mais pas reconnu. Et c'est normal parce qu'on va parler de A War of Whisper, la guerre des chuchotements. C'est un jeu de conquête en une heure. De conquête, ouais, mais pas vraiment. Ici, il n'est pas question de seigneurs ou de guerriers, mais bien des hommes et des femmes de l'ombre, des assassins et des diplomates non déclarés, que je préfère au terme d'espions. En effet, le but est simple. Il faut assouvir, ou en tout cas affirmer, la volonté des cultes, des guildes et des clubs de fourbes que l'on va incarner. Voilà, en fait, tout simplement, c'est un jeu où on va jouer des espions dans les différents royaumes de ce monde fantastique. À notre tour de jeu, je vais placer un de mes pions dans l'un des conseils de chaque royaume. Rôle de conseiller va être associé à une action. Par exemple ici, je vais pouvoir générer, enfin en tout cas lever des troupes
et attaquer. Ici, je vais pouvoir venir piocher des cartes qui sont très importantes, c'est ces petites cartes d'Empire, qui vont en fait avoir des effets divers et variés, et qui ont un coût, qui est symbolisé ici, et qui va nous demander de défausser des cartes de notre main avec des icônes correspondantes, qu'on trouve en haut à gauche. À gauche. Comment ça se passe? Je vais donc placer mes personnages, ça c'est le plus important, dans les conseils. Là où ça devient un petit peu retors, c'est que lorsque les conseils vont s'activer, avec un petit marqueur comme ça qui va venir les activer au fur et à mesure, parce que chaque étape du jeu est dessinée en fait autour du plateau, et donc c'est assez facile de s'y retrouver, eh bien je vais pouvoir, je me suis perdu, je vais pouvoir activer les pouvoirs. Si je suis ici par exemple en tant que marshal dans le royaume des ours, eh bien en fait, si je suis tout seul, je vais pouvoir activer le pouvoir du marshal, mais aussi tous ceux qui sont à gauche du pion. Et ça c'est super important parce qu'en fait, le positionnement de mes espions va permettre potentiellement de bloquer les actions adverses. Donc, si je suis du clan du rat, ben, je vais peut-être venir me placer chez la position de steward, parce que ça me permettra d'activer en plus le shérif et de bloquer les autres actions pour le joueur qui était ici. Le but du jeu, ça va être donc globalement de lever des troupes, de les déplacer et de conquérir des territoires. Pourquoi ? Parce que sur notre petit plateau de jeu, que tu vois ici, hein, j'espère que tu les vois bien, oui. En fait, en début de partie en tout cas, on va avoir placé des allégeances. Ici, tu vois par exemple que le corbeau pâle, est un dévot du clan des ours. Et donc, chaque ville qui sera conquise par ce clan-là en fin de partie me rapportera 4 points, ce qui est énorme. Mais là où ça devient très intelligent, c'est qu'une fois que tous les royaumes se sont activés, on va arriver à une phase, ici, de réallégeance, enfin de changement d'allégeance. Parce que dans ce jeu, je peux très bien décider que finalement, le clan des ours, il est plutôt mal barré. Et je préférais, en tout cas si je suis le corbeau, eh bien, favoriser un autre clan. Je vais pouvoir donc permuter mes allégeances. Attention, si je fais ça, je vais les révéler. Et ça, c'est très important parce que du coup, toute cette espèce de jeu de secret, de mystère, où on ne sait pas vraiment pour qui j'opère, eh bien, il va être beaucoup plus clair pour mes adversaires qui, eux, vont se dire « Ok, il a très clairement d'intérêt pour le clan du cheval. » Donc voilà, War of Whispers, c'est un jeu très intelligent, de fourberie, de stratégie, où je vais essayer d'asseoir mon pouvoir dans les ombres et de contrôler le monde bien au-dessus de toutes ces têtes couronnées. En tout cas, en parlant de tête couronnée, le meeple, je vais le repasser à Antoine. Attrape ! Merci Mathis. Botanique. Botanique, c'est un jeu pour deux joueurs, c'est un jeu de duel et d'agencement de tuiles. Dans Botanique, nous allons construire notre machine. Notre machine, elle est connectée à notre source. C'est une tuyauterie qui doit servir à faire fleurir un maximum de végétation. Alors comment ça va fonctionner ? On a tout un tas de tuiles comme ça disponibles. Quand je suis la personne qui commence le tour, eh bien, je vais en choisir 3 au hasard. Hop là. Je vais commencer par en sélectionner un. Donc moi, je décide de prendre celui-ci. Sur le plateau central qui se situe entre les deux joueurs, je vais pouvoir soit mettre à l'emplacement du milieu de mon choix, soit sur l'emplacement de mon côté. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une connexion soit de couleur, soit de forme. Donc là, c'est de la même forme. C'est bon, ça fonctionne. Mon adversaire va choisir une tuile. Il en fera bien ce qu'il voudra. Et puis moi, je récupérerai la troisième. Et par exemple, eh bien, je vais la mettre ici. Alors là, attention, que se passe-t-il ? Mon adversaire a toujours une collection jaune, c'est bon, mais moi, ma pièce ici n'a plus rien à voir avec la pièce centrale. Donc je la récupère et je vais venir l'agencer dans ma machinerie. Je la connecte, par exemple, ici. Lorsque nous aurons joué toutes les tuiles du jeu, eh bien, on va compter les points que nous rapporte notre machinerie. Alors déjà, on va commencer par virer toutes les petites pièces comme ceci qui ne sont connectées à rien du tout. Donc celle-ci, hop là, on l'oublie. On va compter les petites fleurs sur les floraisons comme ceci, mais il faut qu'elles soient connectées à une tuile de la même couleur. Donc celle-ci ne me rapporte rien du tout, mais celle-ci bleue qui est connectée à du bleu me rapporte 3 points. C'est magnifique. On va compter les petites fleurs qui sont sur les tuyaux à droite à gauche. C'est également des points. Et vous pouvez voir que ici j'ai une suite de bleu d'au moins 3 tuiles. 1, 2, 3, 4. Et bien donc ça me fera 4 points supplémentaires. À la fin de chaque manche, évidemment, j'ai oublié de le dire, je passerai le petit pion au joueur adverse. Et aussi... parmi les tuiles que l'on peut piocher, il va y avoir les biomécaniciens, les méca-bioniciens, les méca, ouais, ce sont ces personnages. Ces personnages-là, ils fonctionnent comme les tuiles classiques, à part que lorsque je la récupère, je vais devoir l'échanger avec l'une des tuiles du milieu. Des fois, ça va m'arranger, et puis des fois, bah, pas du tout.
Botanique, un jeu pour deux. Les jeux pour deux ont le vent en poupe en ce moment. Ça marche super bien les jeux pour deux. Et bien c'est tout ce que je souhaite à Botanique, que ça fonctionne pour lui. Je récupère le meeple. Alice. Et merci Antoine. Alors, nous allons plonger dans le monde des rêves avec Dream Quest qui nous sera offert par Asmodée. Dream Quest, c'est un jeu pour deux joueurs et la grande particularité, c'est que c'est pour deux joueurs d'âges différents. Du moins, c'est pensé pour ça. Après, bon, bah, vous faites comme vous voulez, hein. Mais ça serait pour un joueur le plus jeune de 6 ans et le plus vieux de 10 ans minimum. Voilà, parce que en fait ça va être un jeu dont vous êtes le héros. Donc il va falloir lire dans ces petits carnets. Vous allez avoir toute une histoire, voilà, qui se passe en deux chapitres. Deux chapitres de 30 minutes chacun. Donc ça fait une heure de jeu si vous faites tout d'un coup. Mais du coup il va falloir un lecteur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y aura un des deux qui devra avoir 10 ans et l'autre qui se fera lire l'histoire. Bon, comme je vous ai dit encore une fois, hein, vous êtes deux vieux, hein, moi ça m'intéresse vachement et j'ai 25 balais. Donc voilà, ça va être un jeu, donc comme je vous ai dit, d'histoire, on va plonger dans le monde des rêves et on va affronter des cauchemars, mais on va aussi faire des rencontres, on va voir des magnifiques choses, etc. Chacun de nous va incarner, et bien du coup, on a le rêveur qui sera incarné par le plus jeune, c'est le magicien hyper puissant, et on a le protecteur ou la protectrice, en fait c'est recto verso, d'un côté c'est fille et d'un côté garçon, hein. Le protecteur, c'est censé être la personne la plus vieille, la plus âgée, qui, elle, sera du coup vraiment du coup, le protecteur, en fait, du magicien, hein, tout simplement. Tout à fait. On va donc lire la petite intro du monde, qui a même une carte magnifique, voilà. Et en fait, ça va vraiment être comme un livre dont vous êtes le héros. Vous lisez une page qui vous dit, voilà, il y a une situation, vous avez des choix à faire. En fonction de vos choix, vous allez vous référer à d'autres pages, etc., etc. La grande différence, c'est que vous allez en plus avoir des jets de dés grâce... eh bien, c'est un peu plus d'action, des jets de dés pour remporter quelques défis. Souvent, c'est des combats ou se cacher, etc. Et bien vous allez avoir des objectifs, par exemple faire deux épées, et donc chacun on a son dé et on va les lancer et il faut qu'on arrive à faire les faces demandées, ce qui n'est absolument pas mon cas comme vous le voyez, hein. Voilà, on m'a demandé deux épées, j'ai pas du tout fait ça. Bon, on a quand même, du coup c'est une bonne illustration, si on n'arrive pas à faire les signes demandés, et bien on va se prendre les dégâts. Le protecteur, c'est là où il va être utile, il va pouvoir dépenser des boucliers, il n'en a que 3, pour protéger le magicien. Mais heureusement, le magicien a tiré cette face-là, vous voyez, il y a un petit bouclier déjà intégré, ça veut dire que c'est bon, il ne prend pas de dégâts, il n'a pas besoin que le protecteur le protège. Sinon, si on fait les épées, eh bien voilà, j'ai fait une épée, j'enlève un sigle d'épée, mais il en reste un encore, donc on va prendre les dégâts jusqu'à ce qu'on ait la deuxième épée et qu'on ait remporté le défi. Ici ça va être votre jauge de vie qui va descendre au fur et à mesure. Le rêveur, lui, a, en fait c'est le soin, hein, tout simplement, c'est vraiment le soin, le support aussi de ce jeu. Il a ici des jetons qu'il peut dépenser pour redonner une vie entière à quelqu'un, soit à lui, soit au protecteur. Voilà, ça c'est vraiment le jeu, vous allez découvrir des trésors avec des petits objets qui vous donnent plus de puissance, etc. Là vous allez avoir des cartes qui vont se révéler au fur et à mesure de l'histoire, mais vous voyez il est marqué stop, on regarde pas la suite, hein, pas de spoil. Et le grand truc qui, moi, bon bah vous savez, ou peut-être vous le savez pas, mais maintenant vous allez le découvrir, mon grand kiff, c'est les gommettes. Voilà, il y a plein de gommettes parce que ce jeu va en plus vraiment être évolutif. Vos personnages, vous pouvez les faire évoluer, ils vont devenir de plus en plus puissants. Vous allez pouvoir coller des gommettes derrière le petit carnet de règles pour avoir vos rôles, votre nom, les trophées des boss que vous allez affronter. Voilà, c'est, en plus c'est évolutif, c'est vraiment, vous faites votre histoire et c'est vachement cool. Bon, je vous en dis pas plus parce que découvrez l'histoire par vous-même. Voilà, je vais passer le petit meeple à Thomas. Merci Alice, et on continue cette valse des présentations avec Photographe. Photographe, c'est un jeu de la petite gamme des petits jeux de cartes Matago qui nous a déjà vu offrir Sils ainsi que Vintage. Voici Photographe, et il y a également Matcha que Alice vous a présenté en exclusivité à la fin de la dernière vidéo du vendredi, celle où on avait des choses à raconter en termes d'actualité ludique. Photographe, donc, si vous avez trouvé que ce qu'a présenté Antoine était un peu tordu, la botanique, hein, parce que tu le disais toi-même Eric, c'est mindfuck comme tu dis, c'est-à-dire que ça tord l'esprit, et ben laissez-moi vous dire que Photographe, ça va être sacrément tordu aussi, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors c'est un jeu asiatique par Takako Takarai, et ce monsieur s'est dit, tiens, un petit jeu de collection de cartes un peu à la Cité Perdue, où on va mettre des cartes dans un ordre croissant ou décroissant dans ce sens-là, mais avec plein de contraintes, parce qu'il n'y a que des contraintes dans le jeu, il va falloir faire avec. Donc, comment ça se passe? On est dans l'univers de la photographie, c'est très bien rendu.
Il y a plein de cartes de différentes couleurs. On va jouer là ici avec 5 couleurs. On peut jouer avec plus de couleurs si on est plus de joueurs. Là j'ai fait une installation pour 2 joueurs qui m'indiquent mon petit marché, comment je dois mettre. Il y a des cartes visibles, comme vous voyez, des cartes cachées. Les cartes visibles, ben, on voit leurs chiffres évidemment. Les cartes cachées, on voit une indication sur le chiffre. Ici c'est entre 1 et 6. Ici c'est entre 7 et 12. À mon tour de jeu, je vais pouvoir choisir 1 à 3 cartes et je vais devoir partir du bord pour aller vers le centre. Donc si je veux cette carte là, il faut que je prenne cette carte là. Je dois l'annoncer. Ces cartes là, on va montrer avec l'aide de jeu, ça c'est vraiment bien, ça s'appelle choisir le sujet. Ces cartes là, vous voyez, je vais devoir les mettre à la fin de ma main. Ça c'est ma main, on a toujours 5 cartes comme ça. Si j'en prends 2, allez on va dire je prends ça, non je vais prendre ça, voilà. Alors, voilà, je mets à la fin de ma main. Et celle-là, je la révèle. Ah, c'est un 5. Ça peut être intéressant. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, on arrive à la phase de préparer la pellicule. Je vais être obligé de renvoyer une carte par là, vers ici. Je choisis. Et là, vous allez voir, j'ai ce 9 qui m'ennuie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on doit jouer ces cartes dans l'ordre. Donc, ce 9, je vais l'envoyer vers la fin. Pourquoi pas, comme ça. Et maintenant, je dois jouer autant de cartes que j'ai pris dans ce marché. Vous vous souvenez, j'en ai pris 2. Okay. Donc, j'en joue 2. Et je les joue sur mes albums qui sont ici. Regarde, Alex. J'ai installé déjà mon album jaune que je commence à faire. Mm-hmm. Du coup, ça, non, c'est pas du tout possible, en fait. Pardon, autant pour moi. Voilà, ça, ça sera mieux. Parce que, il y a une contrainte, hein, jeu à contrainte. Ici 6, vous voyez, je peux poser soit un 7, soit un 8, soit un 9 après cette carte-là, ou un 5, un 4 ou un 3. Et soit je vais aller en descendant ou alors en montant. Mais là, je ne pouvais pas mettre le 9, c'est pour ça que j'ai le 10, pardon, parce que je l'ai enlevé. Ici, j'ai un 10 qui attend soit un 11, soit un 12, et ça tombe bien, tu te souviens de ma main, Alex ? Oui. J'ai un 11 que je peux poser et un 12 que je peux poser. Ça, c'est dans l'idéal, hein, parce que, évidemment, vu que vous êtes obligé de jouer les cartes dans ce sens-là, en renvoyant des cartes par là et en prenant les cartes par là, et obligé de jouer autant de cartes que vous prenez dans le marché, tu te rends bien compte qu'à un moment, oui, tu vas un petit peu bloquer et tu vas être obligé de jouer une carte qui ne correspond pas. Alors, si je suis obligé de jouer une carte qui ne correspond pas, je la retourne et elle me fera perdre 2 points. Voilà, et elle okay. me permet de continuer après. J'ai mon album rouge qui est toujours pas fait, il faut que je le commence parce qu'à la fin, si j'ai pas d'album, je perdrai 3 points. Donc il y a 5 albums possibles et il y a le good shot ici, tu as vu. Si je fais 4 ou 3, alors là c'est ici, c'est 4 parce qu'on joue à 2, 4 photos à la suite, et ben j'ai un good shot, j'ai 5 points bonus. Voilà, il y a une petite course à ça, il y a cette carte là que j'aime beaucoup, c'est le sunset, c'est-à-dire le coucher de soleil. On va le mettre vers la fin du paquet de cartes puisque ce marché, on va le remplir. À chaque fois qu'il ne restera plus que 3 cartes, on va dégager toutes les cartes et remettre des cartes exactement comme était indiqué sur cette carte-là, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les 1, 2, 3 et les 10, 11, 12 étant visibles et les autres du centre étant face cachée. Mais quand le sunset apparaît, vite, il faut prendre des photos. Donc on va faire un rembobinage et on est obligé de jouer les 2 cartes. Pas le choix. Et on va finir la partie avec seulement 3 cartes en main. À la fin de la partie, on va regarder dans chaque album le nombre de cartes que j'ai dans mon album. Tout bête, si j'ai 0 cartes, je l'avais dit, moins 3 points. Puis après, bah, imaginons, dans cet album-là, il est fini, le marron, j'aurais eu 3 photos, 4 points. On va additionner tout ça, on va enlever les points négatifs, évidemment. On peut jouer à une variante plus méchante qui est que la dernière carte que vous avez, vous pourrit tout votre album, en gros c'est votre photo ratée et vous êtes tellement triste en la regardant que vous jetez tout votre album tellement vous êtes déçu. Voilà, c'est un jeu qui fait des nœuds au cerveau, on est obligé de tout anticiper, de tout regarder, c'est fabuleux photographe dans cette petite boîte. Si vous aimez les jeux tordus, voilà, et ben c'est certainement un jeu qui est fait pour vous. Je continue cette présentation en le donnant à Alice. Et merci Thomas. Alors, voici un jeu parfaitement dans l'air du temps. C'est Clinic Rush. C'est, on pourrait l'appeler Panique Clinique. C'est un jeu où on va gérer toute une clinique, en fait, sous l'afflux de plein de malades, plus ou moins graves. C'est un jeu coopératif dans la même gamme que Kitchen Rush, pour ceux qui ont connu ce jeu et qui connaissent encore parce qu'il est toujours d'actualité. On l'a en boutique, il est vachement bien. Pareil, c'était un jeu de coop dans une cuisine, enfin dans un restaurant à gérer. C'est en temps réel, vous avez 4 minutes pour remplir des objectifs et voilà, accomplir vraiment des objectifs ici de médecin. Donc, on va tous en même temps, pendant 4 minutes, on va mettre un petit timer, gérer nos infirmiers et nos médecins. Donc les infirmières c'est celle-ci et ça ce sont nos médecins, voilà nos petits pions. Donc chacun a ses sabliers à sa couleur et on va pouvoir les utiliser pour faire les différentes actions. Donc, vous voyez, il y a plein de plateaux, il y a les salles d'admission, il y a les salles où on fait tous les examens, enfin bref, je vais vous les faire après. Donc premier truc, on lance le timer et là chacun va se dispatcher les actions. Premier quand même, c'est aller récupérer des malades, hein, parce que bon, pour les soigner, il faut les récupérer à l'accueil. Donc vous voyez ici, vous allez avoir des petits spots pour poser vos ouvriers. Donc ici, ils ont double couleur, ça veut dire que vous pouvez mettre autant des infirmières que des médecins pour récupérer ça. Alors que ici, vous ne pouvez mettre que des infirmières et là, vous ne pouvez mettre que des médecins.
Voilà, donc premier déjà, ben, hop, je vais mettre mon pion dessus, mon sablier, et je peux faire autant d'actions dans cette zone que je veux, tant que mon sablier s'écoule, et même plus encore, mais je n'aurai pas le droit de faire une action d'un autre plateau, tant que ce sablier-là ne sera pas terminé. Tout à fait, je peux te le mettre ici. Oui, merci. Voilà, c'est... Donc voilà, là, je l'ai posé ici, j'ai le droit de récupérer un malade. Alors, ceux-là, ça va. Ceux-là, c'est les petites consultations. J'ai pas besoin de le récupérer, j'ai juste besoin de lui amener ce qu'il demande. Ici, il voudrait une seringue avec du jaune dedans. Donc, on va vous montrer plus tard. Mais si j'avais voulu aller dans les cas plus graves, vous voyez, ceux-là, ils nécessitent d'être alités dans les lits. Hop, je te les amène, les lits. Magnifique brancard. Hop, on le prend et on le met ici et on l'amène dans une des... deux chambres qui sont là. Voilà, déjà ça, bon, faut le gérer, hein. Il n'y a pas assez de lit pour tout le monde, on connaît ça en ce moment, voilà. Et pendant ce temps, ben, vous avez normalement d'autres sabliers, pas beaucoup, mais bon, vous avez aussi les infirmières qui sont à tout le monde, donc vous pouvez essayer de les utiliser. Et vous allez pouvoir, eh bien, faire plein de choses. Vous occupez des patients, chacun va demander des traitements très différents. Donc il y en a qui vont demander des IRM, par exemple. Hop, celui-ci va demander... un test pour voir s'il a des infections, un test pour, je crois que c'est le scanner celui-là, l'imagerie, c'est l'imagerie. Hop, donc ça veut dire qu'on va devoir amener son lit ici, voilà, il a besoin d'un test à l'imagerie. Et en fait voilà, ça va être tout un jeu où pendant 4 minutes vous allez devoir remplir les objectifs de chaque malade pour les soigner. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez être vraiment sous le jus, sous la grosse pression. Tout le monde va se croiser les bras au milieu du plateau tout en faisant ses actions propres. Et là, vraiment, là, vous avez plein de plateaux avec plein de mini-jeux. C'est des mini-jeux à la Docteur Maboule, de l'adresse. Vous allez devoir choper des objets. Alors ça, c'est mon truc favori. Avec des pinces, par exemple, là, pour faire une opération, vous devez prendre les organes avec la pince. Ensuite, j'ai pris le plus dur, on va prendre le foie. Parce que bon, à la pince, on fait pas au doigt pour faire une opération chirurgicale. C'est pas très propre. On va devoir aussi remplir ces petites seringues. Oui, c'est des vraies seringues. Hop, vous les ouvrez. Et dedans, avec la pince toujours, vous prenez des petites doses de médoc et vous les mettez dedans. Hop, et vous refermez. Voilà, il y a plein de trucs à faire comme ça. C'est vraiment hyper drôle et très très frénétique. Tout ça, pourquoi vous me direz, eh bien bon, déjà soigner des gens quand même, hein. Et surtout, eh bien atteindre des objectifs qu'on aura en début de partie et qu'on va tirer. Il y en a plein plein. Vraiment, il y en a des plus ou moins durs. Là, je vous en ai tiré un pour deux joueurs, parce que ça peut se jouer seul, à deux, à trois et à quatre. Donc, vous allez avoir des objectifs de soigner tant de patients, et aussi des points de renommée, voilà, que vous allez gagner et perdre en fonction de si vous avez réussi à bien soigner vos patients. Si vous n'arrivez pas à soigner vos patients à la fin des 4 minutes, eh bien, on va aggraver leur cas avec ces petits pions. Voilà, au début, c'est léger, après, ça devient grave. À la fin, ça devient... qu'est-ce que c'est déjà ? Mortel. Oui, c'est ça, c'est mortel, mais en fait, ce dernier, celui-ci, effectivement, il meurt, hein, voilà. Et là, ça vous fait perdre beaucoup de renommée, hein, parce que, bon, c'est jamais bon pour la pub. Voilà, c'est vraiment un jeu très drôle, très 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 drôle, qui va mélanger adresse, ambiance et, ouais, quand même pas mal de stratégie, parce qu'il faut se mettre d'accord avant le lancement des 4 minutes. Vous en faites pas, vous avez pas juste que 4 minutes pour faire tous les objectifs, c'est 4 fois 4 minutes, c'est 4 manches de 4 minutes. Voilà. Kitchen, pas Kitchen Rush, du coup Clinic Rush, pardon, hein. C'est ce gros jeu vachement drôle. Et je passe donc la main à... bah tiens, toi, allez. Merci Alice, et suivez-moi pour Master of Renaissance. En fait, c'est un jeu Lorenzo il Magnifico, The Card Game. Donc c'est vraiment le principe un peu de Lorenzo, mais en condensé. C'est pour ça qu'ils appellent ça The Card Game, mais qui s'appelle Master of Renaissance. Ici, le but du jeu, évidemment, ça va d'avoir effectivement le plus de points de victoire. Pour marquer le plus de points de victoire, vous allez notamment construire des bâtiments que vous allez agencer sur le plateau personnel. Mais pour construire ces bâtiments, vous avez ici des prérequis en termes de ressources. Les petites ressources sont ici, elles sont magnifiques. Il y a des petits boucliers, il y a ici des serviteurs, ici vous avez de la pierre, ici des petites pièces, et là c'est de la religion. Et pour récupérer ces ressources-là, en fait, on a ici... un petit assemblage avec des petites billes ici. Ceux qui ont joué à Potion Explosion vont tout de suite retrouver un peu le même système. Ici, pour récupérer en fait des ressources, c'est notamment la première action qu'on va faire, un joueur du coup va récupérer une bille. Il va se servir de la pression de cette bille-là. Il va choisir une ligne ou une colonne dans laquelle il va pouvoir récupérer 3 ou 4 ressources qui correspondent aux couleurs des billes. Donc forcément, le jaune, c'est les pièces. La pierre, c'est le gris. Les serviteurs sont en violet. Les rouges, c'est les petites croix qu'on a ici. Et les blancs, ben, c'est rien en fait. Donc en général, il vaut mieux pas sélectionner des billes blanches parce que ça vous apporte rien. Ici, je vais plutôt sélectionner cette ligne-là. Alors certes, il y a une bille blanche, mais au moins, je récupère 2 ressources boucliers ici et un serviteur. Donc pour ce faire... je sélectionne cette ligne là, je vais pousser ici
avec la bille. Donc je crée une nouvelle ligne et on voit que cette bille maintenant, bah, elle fait plus partie de la grille, mais le prochain joueur qui choisira cette action pourra de nouveau récupérer des ressources et intégrera la bille violette dans le carré qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je récupère mes ressources. Donc c'était un violet, deux bleus que je vais avoir ici et je vais les placer dans ce petit emplacement ici. On vous indique ici une condition, c'est qu'en fait, là, vous ne pouvez avoir qu'une seule ressource. Ici, deux ressources, mais elles doivent être identiques entre elles. Et ici, trois ressources, mais identiques entre elles. Donc, dans l'exemple ici, je pourrais placer ce que j'ai gagné comme ça. Une fois que j'ai fait ça, avec ces différentes ressources, comme je disais, on peut construire des bâtiments. Les bâtiments, vous les avez ici, il y a trois niveaux de bâtiments. Plus vous montez haut, plus c'est coûteux, mais plus ça rapporte de points. Ce qu'il faut comprendre avec ces bâtiments-là, c'est que quand vous les avez construits, ils vont avoir plusieurs choses à prendre en compte, notamment ici le fait de pouvoir changer les différentes ressources, c'est-à-dire que maintenant, avec ce bâtiment-là, je vais pouvoir payer deux boucliers pour transformer deux boucliers en une pièce, un serviteur et une pierre. Et l'avantage de faire ça, c'est que comme l'indique notre petite flèche ici, qui va là, vous allez pouvoir transférer ces ressources-là, non pas dans la contrainte de placement ici de gestion de ressources, mais dans votre coffre, qui est secret ici. Et donc ça vous sert à mieux gérer vos ressources. En plus de ça, les bâtiments, ils ont des bannières. Pourquoi ? Parce que lorsque vous aurez construit des bâtiments, vous n'avez que trois emplacements. Au fur et à mesure, ils vont forcément se superposer. L'intérêt, c'est qu'en plus de ça, vous allez pouvoir jouer des personnages un peu spéciaux qui ont des conditions de bâtiments à construire pour pouvoir les jouer. Ceci vous rapporte différentes capacités, je ne rentre pas dans le détail, mais ça fait aussi partie de la richesse du jeu. Et ils vous permettent d'obtenir des points de victoire. Les points de victoire, ils sont constamment comptabilisés ici. Et vous verrez ici que là, il y a des petits encadrés. Et c'est important parce qu'il y a un côté course, il faut toujours suivre plus ou moins le premier joueur, celui qui est le plus avancé, puisque dès que celui-ci arrive sur la case de l'évêque ou la dépasse, il va déjà remporter les points de victoire qui sont ici, donc au début ce sera 2, puis après ce sera 3, puis après ce sera 4. Mais si vous ne faites pas partie de l'ensemble ici, délimité par les lignes ici, vous allez perdre des points de victoire. Donc il faut toujours essayer de se suivre. En plus de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois que j'ai tout dit en termes de bâtiments. La partie va prendre fin, c'est ça qui est important, lorsqu'un joueur aura construit au moins 7 bâtiments. Dans ce cas-là, on fait un dernier tour de jeu, et celui qui a le plus de points l'emporte. Donc Lorenzo, c'est vraiment, en tout cas pour celui-ci, donc j'appelle ça Lorenzo il Magnifico, le jeu de cartes, parce que c'est vraiment cette sensation-là qui est représentée, parce que tout tourne essentiellement autour des cartes, avec nos petites ressources qui sont présentes. Mais Master of Renaissance, c'est vraiment Lorenzo et le Magnifico, en plus condensé. Le truc hyper jouissif, c'est vraiment de gérer à la fois les bâtiments pour les bannières, mais aussi pour les coûts de ressources, et ce qui vous permet d'échanger, de troquer pour mieux gérer votre stock. Et notamment ce petit coin-là de billes, pour ceux qui aiment Potion Explosion, comme je le disais. Ça, c'est hyper jouissif, parce que ça vous permet justement d'avoir un côté un peu bloquant par rapport aux adversaires, et notamment essayer ce petit coup de pouce de bille hyper jouissif, moi je trouve ça génial. Puis en plus quand vous allez reprendre ça, hop, et puis la petite bille, hop, elle fait le petit parcours, enfin c'est top. Je trouve dans un petit jeu comme ça en fait assez costaud, bah ça en fait ça rend le jeu tout de suite beaucoup plus léger. Voilà pour Master of Renaissance, et maintenant je passe la main à mon collègue Thomas. Merci Alex. Et donc on enchaîne avec Rapa Nui. Rapa Nui, alors pour les anciens qui connaissent, c'est la réédition des géants de l'île de Pâques. Un des premiers jeux de la gamme Matago, gros jeu, dans la gamme Cyclades, dans la gamme Kemet. Et ça s'appelait les géants de l'île de Pâques. Et là ça a été condensé, ramassé, mais pas moins inintéressant, vous allez le voir. Rapa Nui, évidemment, bah, c'est sur l'île de Pâques. Donc regarde ce magnifique plateau qui amène à voyager. Voilà. Donc nous, on est une tribu. Alors moi, je choisis la tribu verte. On va gérer ces quatre ressources. La ressource des perles d'huîtres étant la plus valorisée. Et puis ça va de la plus faible à la plus forte. C'est un jeu de pose ouvrier, mais très original, parce qu'il y a une espèce de petite coopération forcée. Vous allez vous apercevoir pourquoi. Maintenant, le tour de jeu. Voilà, tout bêtement. Le tour de jeu, on va poser ses ouvriers. Donc, on va pouvoir faire soit des constructions de moai. Ici, là, tu vois, tu as des grands moai, des moyens moai, des petits moai. Mm-hmm. Voilà. La taille importe de les mettre de côté par taille, mais après, une fois qu'ils sont sur le plateau, peu importe. Okay. Ce sera plus joli, mais c'est pas trop grave. Là, je vais faire un petit moai avec un seul ouvrier. Si je rajoute un ouvrier ici, je pourrais faire un moyen moai. Si je rajoute un autre ouvrier ici, je pourrais faire un grand moai. Okay. Je pourrais aussi plus tard recruter mon chef qui me permettra d'aller me poser ici. Là, toutes les places sont disponibles, alors que là, tu le vois, les places sont de plus en plus limitées. Il n'y a qu'une seule personne en fait qui pourra faire le grand moai, puisqu'il n'y a qu'un seul emplacement. Donc c'est très tendu à ce niveau-là. Maintenant, on va aussi gérer l'ordre du tour avec nos sorciers. Le premier qui pose son sorcier ici sera le premier du tour. Donc ça change à chaque fois. À un moment, c'est bien de poser, mais à un moment, il faut se dire, bah, il faut poser mon sorcier parce que j'ai envie de jouer premier à la prochaine manche. Qu'est-ce qui va se passer? Ces petits ouvriers qu'on va poser, tac, ils vont nous permettre de créer des chaînes humaines pour récupérer les moailles qui sortent
ici de ce cratère de pierre. Okay. Et évidemment, vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Donc vous allez devoir vous servir des positionnements des autres adversaires. Donc là, je ne les ai pas installés malheureusement, mais imaginez qu'il y ait d'autres pions ici, d'autres couleurs. Alors mon Moai, il va circuler à un endroit. Le but, c'est de l'amener jusqu'à un Aou. Les Aou, c'est les emplacements où on va poser les Moai et récupérer en plus la tuile Aou qui va donner un petit pouvoir. Donc je vais avoir besoin de l'aide des autres, mais à chaque fois que je vais utiliser les autres, hein, imaginons qu'il y a un autre pion ici, et ben l'autre il va pouvoir se servir dans la banque d'une de ces ressources là et avancer. Donc des fois je vais les aider forcément. Une fois que mon Moai arrive sur un Aou, il faut qu'il y ait un personnage dessus pour le hisser. Il devient épuisé, il ne pourra pas rehisser un autre Moai. Je récupère la tuile et mon tour s'arrête. Plus tard, ce Moai pourrait être mis un chapeau dessus. Mmh. Alors quand on fait un Moai, on récupère des ressources ici, tu vois, indiquées ici. Voilà, ici c'est l'œuf. Donc si j'ai fait un grand Moai, je récupère 5 œufs. Si j'ai fait un moyen Moai, 3 œufs. Un petit Moai, un œuf. Pourquoi on récupère tout ça? Ben parce que on va les leur mettre des petits chapeaux dessus. C'est pareil, mais sauf que ça va sortir de cette caverne là. Mmh. Ici, le chapeau, pareil, il va passer exactement de main en main. Sauf que pour les chapeaux, on ne récupère que des joncs. Voilà. C'est, là, c'est que des joncs, peu importe la case sur laquelle on est situé. Mais on va récupérer des joncs, et les joncs, ça peut servir aussi. Pourquoi on récupère toutes ces ressources? Eh bien, pour faire des offrandes. Quand on chapeaute un Moai, on va pouvoir faire une offrande ici. Si je dépense 4 joncs de mon plateau, je vais récupérer une hutte qui me rapportera 8 points. C'est un petit peu dégressif, donc il y a un petit côté course. Mm-hmm. 4 œufs, je vais récupérer ça. Un mélange des 4, je vais récupérer ça, la hache. Un mélange de 4 bois, etc., etc. Voilà, et ça, c'est des points de victoire, évidemment. Pendant la partie, on va pouvoir améliorer les capacités de notre clan. Voilà, comme tu peux le voir ici. Et donc il y a 4 tuiles possibles, on va en choisir que 3, et petit à petit on va pouvoir se donner des petites actions en plus pour redresser un mec qui est fatigué, pour profiter de plus de ressources quand on érige un Moai. Voilà, j'ai essayé de vous le pitcher le mieux que je pouvais. Rapa Nui, c'est excellent, vraiment. Moi, j'ai beaucoup joué. C'est très dynamique. C'est ce côté un peu coopération forcée qui est très sympa. Ce côté pose ouvrier, les uns après les autres. Et puis, bah, on va bloquer des ressources. On va aller chercher des Moai. On va coiffer les Moai des autres. Puisqu'en fait, une fois qu'un Moai a été mis, peu importe à qui il appartient, il est offert pour une future coiffe. Voilà. Le jeu arrivera avec une extension qui s'appelle La Guerre des Clans. Voilà. Et le jeu sera disponible évidemment aux alentours de Pâques, hein, puisque c'est un jeu sur l'île de Pâques, c'était logique. Oui. Voilà, et je vais maintenant te donner à toi ce petit pion, tout à fait, que tu nous présentes un nouveau jeu. Et merci Thomas. Et on est parti pour Lost Explorers. Alors je peux pas vous montrer la boîte, parce que la boîte, en fait, elle sert de plateau, ça c'est hyper ingénieux. C'est un jeu de Cédric Chaboussi, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, parce qu'il a fait beaucoup de jeux, notamment cette année, il en a sorti 2. Comme Shaman et Lueur, mais il avait fait aussi l'excellent Lewis & Clark. Ici, on va se retrouver dans un jeu donc, qui va rester une course comme Lewis & Clark, mais en beaucoup plus accessible, avec un principe un peu de collection de jetons. En fait, l'idée, c'est qu'ici, vous avez découvert un monde perdu, plus ou moins oublié, et le monde converge, ou du moins plusieurs lieux convergent à Venise. Je disais c'est une course, pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir essayer de récupérer des indices qui sont ici. Et quand vous en avez 4, comme indiqué, hop, ici, par le meeple, il vous indique ici, quand vous en avez 4, dès qu'un joueur en a 4, vous avez du coup les indices pour converger vers le monde perdu, et du coup vous gagnez instantanément la partie, donc il n'y a pas de comptage de points, ça c'est l'avantage du jeu. A votre tour en fait, donc vous aurez un tour de jeu qui est défini en deux phases, une première phase qui vous permet justement de récupérer des jetons. Les jetons vous les avez devant les joueurs, donc là par exemple si je prends le joueur orange, je vais avoir 4 jetons au début de la partie. Les jetons sont recto verso, ils ont chacun une couleur, donc il y en a 4, bleu, rouge, vert et jaune, et parmi ces 3 là, il y en aura un qui sera retourné. C'est en fait un jeton de mission. Ces missions-là, en fait, vous permettent tout simplement d'envoyer des explorateurs dans différentes villes. Et lorsque les conditions sont remplies, ça vous permet d'obtenir des indices. Les indices, on les obtient comment? En fait, on obtient les indices quand on va avancer nos explorateurs sur les deux différentes pistes qui sont représentées par les couleurs. Ici, les couleurs chaudes, jaune et rouge. Et ici, les couleurs froides, bleu et vert. Pour les verts avancés, on aura tout simplement besoin d'explorer les différents lieux. Pour explorer ces lieux, il faut poser des explorateurs sur les lieux sur lesquels on veut aller. Chaque lieu va avoir un coût en fait en véhicule. Donc pour pouvoir aller sur ce lieu-là, il me faudrait 2 rouges et 1 vert, ici. Lorsque j'irai sur ce lieu-là, parmi les 3, je vais choisir un que je vais défausser. Ça, c'est important de noter quand on défausse un jeton, on va le mettre de côté, parce que les autres joueurs, et moi aussi également, on va pouvoir les récupérer plus tard. Lorsque je place des explorateurs, l'idée, ça va être de pouvoir avancer grâce à la mission. Ici, on voit par exemple que si j'ai placé mon explorateur ici, comme indiqué sur le jeton vert,
que j'ai un explorateur ici et ici. Donc là vous avez un jeton, un lieu qui est déjà validé. Ça c'est dans la mise en place de base, vous allez valider un certain nombre de jetons, un certain nombre de lieux pardon, avec des jetons. Du coup lorsqu'ils sont validés c'est beaucoup plus simple, mais vous avancez moins sur la piste. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez pouvoir explorer dans la deuxième phase, vous allez avancer votre explorateur ici sur la piste qui correspond à la mission que vous validez. Ici vous avez une mission verte qui est remplie ici. Donc vous allez retirer un explorateur pour montrer que vous validez ces missions là et vous allez avancer autant de cases votre explorateur dans la colonne ici verte, du coup parce que c'est une mission verte que j'ai faite, d'autant de cases que le nombre d'explorateurs que vous avez utilisé. Ici j'en ai utilisé deux, donc j'avancerai de deux cases. L'intérêt d'avoir deux explorateurs, c'est que du coup on va se développer sur différentes couleurs, et notamment lorsque vous allez avancer dans un certain seuil ici, vous allez pouvoir récupérer des indices. Je vous rappelle que du coup il en faut 4 pour gagner la partie. L'idée c'est de ne pas forcément avancer qu'un seul explorateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez pouvoir avancer vos deux explorateurs au niveau 4, vous récupérez un nouvel explorateur, donc potentiellement plus de possibilités de réussir des missions. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour récupérer des jetons, il y a certes dans la défausse, mais il y a notamment ici, dans les deux colonnes qui sont là. Et pour ce faire, je dois utiliser des explorateurs. Donc soit je les envoie en mission, soit je les envoie récupérer des jetons. Je peux en poser du coup 1 à 4, à condition d'avoir débloqué le quatrième. Lorsque j'en envoie ici, je vais récupérer 1, 2, 3 ou 4 jetons, ou du moins les 1, 2, 3, 4 premiers jetons, en fonction du nombre d'explorateurs que j'ai placés. Donc si j'en place qu'un, ici je récupère le jaune, si j'en place deux, je peux récupérer le jaune et le bleu, etc. etc. Donc c'est un jeu, en fait, il va falloir essayer de gérer le placement du plateau avec vos explorateurs, que vous allez récupérer à chaque début de phase, et à la fois le placement ici des explorateurs pour récupérer des jetons, soit évidemment pour ce qu'ils apportent en termes de véhicules, ou alors comme mission. Voilà, bah c'était le jeu de Cédric Chaboussi, donc Lost Explorers, et maintenant je vais passer la main à Thomas. Merci Alex, on arrive au bout de ce marathon et on n'est plus nombreux. Alex, ils sont où les autres? Ils sont couchés. Donc, alors là, on va vous parler d'un jeu, on veut vraiment vous intéresser à ce jeu-là, parce que nous, n'est-ce pas Alex, ouais. On y a joué un soir où Maxime, des Nomades du Jeu, qui est venu nous présenter les nouveautés Asmodée, et c'est grâce à lui, donc on le remercie chaleureusement, qu'on peut vous montrer aussi des nouveautés qu'il y a eu ce soir-là. Eh bien, ce jeu-là nous a tous plu. Vraiment. Il a plu à Jeff qui le lendemain s'est embarqué pour y jouer avec des amis. Il m'a plu aussi parce que j'ai embarqué pour y jouer avec des amis. Ouais. Il t'a plu aussi parce que vous y avez joué lundi. Bref, The Great Race, c'est un jeu comme on n'en fait plus. C'est une course. Il n'y a pas de deck building, il n'y a pas de draft. Il y a de la gestion de son petit véhicule. Vous allez voir, ça sent super bon. The Great Race, ça s'inspire dans les années 30 du départ de André Citroën pour montrer un peu la technicité de ses voitures. C'est des voitures chenilles et puis bah, il est allé dans le désert, etc. Et là, nous, on s'est inspiré de ça et on fait une course en Afrique. De l'autre côté, il y a un autre plateau avec d'autres tuiles. Maintenant, bah, tu le vois, tu le filmes là, c'est bien le sûr, cockpit. Ouais. Exactement. Dessus. Alors, c'est très joli parce que je veux montrer aussi tout le jeu. Bon, je vais poser ce pion. Oui. Voilà, c'est qu'il y a des... différents selon les nationalités, hein, oui. Donc ça c'est les Français, il y a les Belges, il y a les Anglais et les Italiens, et le cockpit, l'intérieur du cockpit est différent aussi. Complètement. Voilà. Là je choisis les Italiens pour faire un coucou à Jeff qui adore les Italiens. Donc ici on est à l'intérieur du cockpit et c'est très important de voir qu'on va avoir des petites flèches qui indiquent plusieurs choses. Là c'est les cases où vous pouvez vous déplacer, là c'est la main de carte que vous pouvez avoir en main, et ça ici c'est votre essence. Voilà. On part de cette ville-là et le but, c'est d'aller à Cape Town, ou alors on part de Cape Town et on va jusqu'à Colomb-Bécart. Ça, c'est le principe. Et mais c'est une course, mais c'est une course presque de lenteur quelque part. Il va falloir aller vite, mais pas trop. Parce que tout ça, c'est inconnu de nous. Et soit on va prendre le temps de l'observer pour avoir plus de chances d'aller dans des endroits potentiellement accessibles. Soit on va foncer bille en tête, comme j'avais fait moi, et on va se retrouver très très embêté. Maintenant, comment ça va se passer? À son tour de jeu, hop, on revient là. On va déjà faire un petit draft de cartes très sympa où le dernier sur la piste va commencer à choisir la carte qui lui plaît le plus. Alors les cartes, on a de quoi réparer, avoir plus de cartes, pouvoir un peu embêter. Il y a un petit peu de côté taquin, mais pas oui, trop. Oui. C'est ça qui est bien. Il y a 5-6 cartes seulement dans tout le paquet de cartes qui sont un peu taquines. Donc voilà, de temps en temps, il y aura l'interaction, mais c'est pas un jeu méchant. Donc le dernier va prendre. Ensuite, on va dire qu'on est 3. Le troisième, le second, le premier. Et le troisième a droit à une deuxième carte. Donc petit avantage d'être dernier. Ça rééquilibre un peu les chances. Ensuite, maintenant, il y a un petit jeu de pause d'ouvriers.
puisque on a nos petits personnages. Là, moi, j'ai mes Italiens et je tiens à faire remarquer que chaque personnage, on reconnaît bien le français avec son béret, chaque personnage sera différent. Ici, c'est le belge, un peu à la Tintin, et ici, c'est l'anglais. Voilà, chaque personnage sera différent et de couleurs différentes avec les petites voitures en plastique. C'est trop mignon. Maintenant, je parle comme Alice, dis donc. maintenant, on va voir son cockpit. Son cockpit. En secret, on va programmer ses actions. On va pouvoir soit explorer. Explorer, c'est pour aller chercher des tuiles dans le sac qui est ici. Ce sac dans lequel il y a des tuiles pour pouvoir les poser à la jonction de nos véhicules pour créer un chemin sympa ou pas. Si c'est pas trop sympa, on le mettra pour les adversaires. On va pouvoir aussi, si on voulait explorer mais que finalement au dernier moment on veut pas, on a toujours une autre solution, c'est là, c'est de piocher une carte. On va pouvoir réparer. Réparer, c'est parce que votre véhicule va s'abîmer. Vous allez voir que votre châssis va prendre, votre moteur va prendre, votre essence va prendre aussi, mais ça c'est autre chose. Et on va pouvoir réparer tout ça. Mais ça va coûter des sous. On va pouvoir piloter, évidemment, puisque quand on décide de piloter, ben, notre véhicule va avancer. Soit on va y aller un peu au gaufre, soit on aura pris un peu de précaution et on verra tout ça. On va pouvoir aussi défausser des cartes, enfin des tuiles devant nous qui nous paraissent un peu méchantes, par exemple des tuiles qu'aurait mis un adversaire ou qu'on aurait devant nous, ou aussi préparer le fait d'être attaqué par quelqu'un. Et dans ce cas-là, on va pouvoir réagir. Ça, c'est la seule. Le seul moment où on peut jouer en dehors de notre tour, c'est que là, je peux réagir si tu m'attaques avec des cartes qui ont ce petit symbole-là. Moi, je vais dire, eh ben non, j'avais prévu. Voilà. Maintenant, comment ça se passait? Le reste, c'est ici. Notre véhicule, voilà. Soit on va explorer et on va tirer des tuiles comme ceci. Et on va découvrir ce qu'on a. Ici, je perds 3 essences si je vais sur cette tuile-là. Ici, je perds 1 essence et c'est un danger. Oui. Et un danger, ça fait des casse-moteurs. Et on va donc petit à petit explorer l'Afrique et ensuite, ben, on va avancer. Si j'avance là, je perds 3 essences. Donc tu vois que très vite, l'essence, elle va fondre comme neige en Afrique. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais essayer d'aller dans des villes parce que dans des villes, je peux refaire de l'essence. Et oui, pour pas trop cher, parce que dans la cambrousse, je peux faire l'essence, mais c'est beaucoup plus cher. Oui. Et là, un petit peu comme au Monopoly, on va gérer ces petits billets, très sympa, pas trop souple, mais pas trop dur non plus. Vraiment, le matériel est vraiment impressionnant. Oui. On va gérer ces petits billets, donc on va gérer ces sous. Et on va dépenser pour réparer dans les villes aussi. On va refaire de l'essence pour repartir de plus belle. Dans les villes, on va pouvoir récupérer des cartes, tu le vois ici. Il y a cette zone-là qui fait très peur, parce que là, ici, les tuiles sont noires et on va dépenser encore plus d'essence, avoir des casse-moteurs plus fréquentes. Alors, si on se la joue un peu cool comme toi, Alex, on va tenter... Ah non, c'était Jeff. On va tenter de partir en croisière parce qu'il y a une autre stratégie qui est sympa aussi, c'est qu'on peut arriver au Caire, se déplacer au Caire, payer 100 francs et faire une croisière jusqu'à Djibouti. Et peut-être après, rouler jusqu'à ici pour faire une croisière jusqu'à Tananarive et refaire une croisière ici. C'est vous qui allez gérer ça, peut-être à un moment, si vous voulez que votre véhicule arrive pas trop abîmé, mais ça prendra du temps et ça coûtera des sous. Les sous, on va pouvoir les récupérer. Je reviens sur le plateau, si jamais on pose des petits pions ici et on va les sacrifier parce que plus on en posera, plus on récupérera dessous. Vous voyez, hop, ici, voilà, là je récupérais 20 francs, mais je peux aller jusqu'ici et récupérer 40 francs. Oui. Et je peux encore aller ici et récupérer 70 francs et le max c'est 110 francs, bien évidemment. Sûr. Les sous, c'est très important, mais gérer son moteur, c'est très important. On va donc prendre des risques, on va un peu s'embêter, on va avancer prudemment, on va s'arrêter dans les villes, on va réparer sa voiture. C'est une vraie aventure qui nous est contée. C'est ce genre de jeu qu'on a aimé nous, parce que à la fin on s'en parlait comme d'un vrai film. On a dit, tu te souviens quand t'étais arrivé, moi t'avais une épave, t'as passé 3 tours à réparer tellement t'avais rien, après t'avais pas de sous, t'as dû faire des sous, enfin voilà, on se raconte des choses. The Great Race, c'est un petit ovni finalement, parce que en ayant ce petit charme des anciens jeux, eh ben, il est super moderne en vrai, parce que c'est un vent de fraîcheur sur le milieu ludique. Et on souhaite beaucoup de chance à Platypus Game. Les gens sont excellents, ceux qui travaillent ici, on les salue. Ils sont super sympas, tellement sympas que ce jeu-là, vous pouvez le réserver si vous mettez un petit commentaire ou si vous nous contactez et qu'on vous offrira une sérigraphie numérotée et donc unique puisqu'elle a été faite en 50 exemplaires uniquement et que l'éditeur nous en a donné 5. Donc les 5 premiers qui réserveront The Great Race se verront offrir cette sérigraphie offerte par Platypus et par le dessinateur du jeu qui est François Launay, le créateur étant Maxence Vacher. On vous salue bien bas, vous avez fait un jeu super qui donne envie d'y revenir encore et encore. Il y aura des extensions à venir, m'a dit l'éditeur, avec un 5e joueur si on veut, avec un côté un peu pick and delivery parce que tu vois, il y a de la place dans ce petit véhicule pour poster des petits colis, de les livrer de ville en ville pour récolter des sous. Il y a plein d'extensions à venir si le jeu a du succès et ça, c'est très chouette parce qu'on a vraiment envie qu'il ait du succès ce jeu-là. Donc n'hésitez pas à nous le réserver pour réserver les sérigraphies ou à venir quand il sera disponible au magasin. Tu vas mettre la date dans le bas de cette petite vidéo. Oui. Voilà, nous on a adoré, c'est un immense coup de cœur.
Je continue, je vais me lancer à moi-même ceci, et je vous retrouve là. Merci Thomas. Et donc, je continue, parce que voilà, il n'y a plus que nous, voilà. Oui. Les autres sont couchés, ils sont par terre, là, je les vois. Ricochet, enfin, la suite, pour ceux qui connaissent cet excellent jeu, c'était cette boîte-là. Pour qui aime jouer avec les associations d'idées, les associations de mots, c'est fabuleux. Et c'est un vrai travail impressionnant d'idées liées aux mots. Et hop, la suite, Ricochet numéro 2. Voilà, Ricochet numéro 2, c'est le même, en plus compliqué quand même, parce que j'ai commencé à en faire et c'est bien complexe. Pour ceux qui connaissent pas, eh ben Ricochet, c'est quoi? Ricochet, c'est une histoire qui vous est racontée tout le long de toutes ces petites tuiles recto-verso, une vraie histoire. À chaque fois, vous avez des dialogues entre les gens et la suite du dialogue, c'est vous qui allez devoir la trouver. Par exemple, ça commence par « Ben, pourquoi tu te caches ?»« Ben, ça ne va pas lui plaire. »« Arf, trop tard. »« Bonjour, chef !» Et là, il y a ce que dit certainement la chef. Et qu'est-ce qu'elle dit? Bah, c'est à vous de le trouver. Parmi ces mots-là, vous allez en isoler 3 à la fin, ou 4. Là, c'est un rébus de 4 mots. Et en le lisant, vous allez faire un rébus qui aura une consonance. Bah, alors là, je reprends celui du premier. Il y avait lire, l'art et aigle, et ça fait lire la règle. C'était la chose que disait l'autre avant de jouer. Comment ça a fonctionné? On a les départs, pouces et francs. Et on a nos galets. On va prendre les galets numéro 1. On est dans ce sens-là. Alors ici, c'est un peu particulier. Là, le 1, il est qu'en un seul exemplaire, c'est indiqué. Mais des fois, il peut être en deux. Donc, le but, c'est quoi? C'est de trouver un mot qui ressemble à pouce et à franc. Et de placer les galets sur ces deux mots, sachant que pour qu'ils soient valables, les deux mots doivent être dans la même ligne ou dans la même colonne. Donc, si vous avez un mot qui ressemble à pouce dans un endroit, mais que pas dans la ligne et pas dans la même colonne, il y a un mot qui ressemble à France, c'est que c'est pas bon. Okay. Et vous allez ensuite, en ayant couvert les mots, alors je fais n'importe quoi parce qu'il est tard et que j'ai pas le temps d'y réfléchir, on va dire que 1 pour 1 pouce et franc pour quoi? Pour franc pour coup franc, mais ça va pas du tout. Donc, pouce, peut-être qu'on va mettre dans mec, brave. Bref, on va dire que c'est ça. C'est dans la ligne, la même colonne. Tant mieux, j'ai caché les deux mots. Maintenant, ce mot brave et ce mot coup, eh ben, je vais rebondir dessus de la même manière que j'avais rebondi avec mon galet numéro 2. Et donc, je vais dire, ben, pour brave, je vais dire 1, parce que c'est un brave. Et pour coup, je vais dire mi, pour coup de mi. C'est n'importe quoi. Mais bref, c'est pour vous donner l'idée. L'idée, c'est que à chaque fois, on va recouvrir des mots de plus en plus. Et à la fin, il en restera, ben, là, en l'occurrence, que 4. Et ces 4-là, en les prononçant à haute voix, ça vous fera la suite. C'est très malin parce que c'est des associations d'idées. Des fois, c'est des synonymes, des fois, c'est des contraires, des fois, c'est des expressions. Et celui-là, il est quand même beaucoup plus dur. Là, je vois parce que je galère de ouf parce que je pensais pouvoir le faire un peu comme ça, mais pas du tout parce que je vois qu'il y a plein de petites contraintes, etc. Et moi, je suis toujours à la première boîte et j'avais déjà essayé de commencer celui-là et en fait, j'ai arrêté, je suis repassé à la première boîte. Mais c'est vraiment génial si vous aimez la première boîte et que vous voulez encore plus de contraintes et que vous voulez encore plus vous tordre le cerveau avec tous ces mots. Le boulot est extraordinaire. Je sais même pas comment ils arrivent à créer tout ça et à réfléchir à toutes ces associations. Bravo à Flip Flap d'édition. Ricochet 2, ça va être excellent pour jouer tout seul, parce que des gens se retrouvent seuls aussi en ce moment, ou même pour jouer en coopérant, en se donnant des petites idées. Voilà. Et j'enchaîne tout de suite, puisqu'il n'y a plus que moi, avec ça et ça. Ça, on voulait vous le montrer, alors on va pas rentrer dans le détail, mais l'idée est excellente. Vous savez qu'on aime bien les petits jeux qu'on transporte sur soi facilement. Hein. Il y avait les chewing games par Oya, dans des petits formats comme de chewing gum. Mais voilà que Matago va nous sortir la gamme des Button Shy. Les Button Shy, alors là on a une partie, il n'y a pas tout. Les Button Shy, c'est des petits porte-cartes comme ça en cuir super classe, avec les cartes d'un côté et les règles de l'autre. Et vous avez des mini-jeux, des jeux minimalistes mais très malins. Sprolopolis par exemple, c'est un jeu coopératif où vous allez créer une ville en posant chacun votre tour une carte dans la ville pour faire des objectifs qui sont au dos des cartes, parce que vous allez sortir 3 cartes et chaque carte a son propre objectif. Donc la rejouabilité est énorme et vous allez faire des suites de couleurs et respecter aussi, bah, par exemple ici, si on arrive à faire un looping avec les routes, eh ben, on marque un point par section de route. Voilà, ça c'est Sprolopolis. Dans le même ordre, vous avez Circles Wagon, qui est Sprolopolis mais uniquement à 2 joueurs. Avec pareil, on va se faire des petites sections et pareil, à chaque fois il y a un objectif différent sur chaque carte qu'on va tirer et qui va rendre les parties différentes à chaque fois. Vous avez A Clash of Pope, Avignon. Ça c'est un jeu de tir à la corde où on va avoir des personnages qui sont dans différentes lignes et on va devoir les amener vers soi, chacun ayant des petits pouvoirs, des petites conditions de fin de victoire. Ça c'est très 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 malin. Stew, un bon jeu de bluff où vous allez rajouter de la nourriture dans un vieux ragoût et essayer de deviner à quel moment il y a assez de nourriture pour dire fin de la partie. Et Food Chain Island, un jeu solo très malin où vous allez avoir, bah, comme une espèce de réussite, plein de cartes, de plein d'animaux que vous allez mettre comme ça devant vous et vous allez manger les animaux
animaux vont se manger les uns les autres, c'est une chaîne alimentaire. Le rat, la chauve-souris, pardon, ne va manger que des animaux qui valent 5, 4 ou 3. Et donc, s'il y a un 5 à côté, le rat, la chauve-souris va manger le rat, ça donne le Covid. Et hop, le rat est mangé par la chauve-souris, et le pouvoir de la chauve-souris se fait. Bref, tous les animaux ont des petits pouvoirs différents. C'est un vrai casse-tête parce que votre but, bah, c'est d'arriver à manger le plus possible d'animaux sans être bloqué. Hein, c'est le côté un peu solitaire. Et si vous êtes bloqué avant d'avoir qu'il ne reste plus que 3 ou 4 animaux, bah, vous avez perdu la partie. Voilà, vous avez ces petits deux jokers-là qui sont très sympas, qui vont permettre de vous débloquer une petite situation. Bref, cette collection, on voulait vous la montrer. On la montrera plus en détail quand elle sera disponible vers le mois d'août parce qu'on voulait faire une vidéo avant les vacances sur les petits jeux emportés partout avec soi, et évidemment Button Shy sera dedans. En attendant, bah voilà, ça vous a fait un petit peu saliver peut-être, nul doute que moi je partirai en vacances avec les Button Shy parce que c'est des jeux super sympas qu'on a dans sa poche avec une très belle qualité de cartes. C'est une excellente initiative de Matago de sortir cette collection qui cartonne outre-Atlantique. J'arrive pas à le remettre, tant pis. Voilà, et ben je vais vous retrouver avec le reste de l'équipe pour qu'on se quitte et qu'on vous annonce le concours pour les 3000 abonnés, parce qu'il y a non seulement tout ce grand cadeau que vous avez vécu, mais il y a aussi un concours. Alors on se retrouve tout de suite. Et voilà, cette vidéo exclusive d'exclusivité pour nos 3000 abonnés est maintenant finie. C'était un boulot dantesque, il est très tard, on n'en fera pas d'autres comme ça, ou aussi pour les 10 000 abonnés. Mais voilà, on voulait vous offrir ce petit cadeau d'exclusivité. Maintenant, c'est à vous de faire partager cette vidéo, de faire découvrir tout ça autour de vous, sur des réseaux sociaux si vous le connaissez, ça peut être très intéressant. Et on espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura un petit peu attisé. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir au magasin, on vous en donnera plus, parce qu'on a joué à tous ces jeux, on pourra vous en parler plus dans le détail s'ils vous ont intéressé. On remercie tous les éditeurs qui ont joué le jeu et qui nous ont donné tous ces jeux pour qu'on puisse vous les montrer en exclusivité. Bravo, parce qu'il y avait vraiment des trucs super et des jeux qu'on a hâte qui sortent véritablement. Il est temps maintenant de vous annoncer le concours. Alors déjà, qu'est-ce qui a gagné? 3000 abonnés, 3 jeux. Le premier gagnant, le grand gagnant, gagnera le jeu Lueur. Il y aura un deuxième gagnant qui repartira avec un micro-macro, quand même c'est bien. Et un troisième gagnant qui repartira avec Matcha quand il sera sorti, c'est dans pas très très longtemps, donc il patientera. C'est un concours ouvert à toute la France métropolitaine. Donc on a décidé, si vous gagnez et que vous n'êtes pas sur Bordeaux, de vous envoyer à nos frais le cadeau que nous vous faisons. Le concours, eh ben, c'est très simple, il va falloir répondre à une question. La question, eh ben, on va laisser Mathis vous la poser. On va vous dire au revoir tous, bien sûr, n'est-ce pas? Et puis bah, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des nibbles. Aujourd'hui, une question vous sera posée dans laquelle vous devrez répondre dans la section commentaire en dessous de cette capsule vidéo. Depuis le 23 octobre jusqu'au 26 février 2021, combien y a-t-il eu de sketchs d'introduction de la vidéo du vendredi? Réponse A, 6. Réponse B, 7. Réponse C, 8. Ou bien la réponse D, 9. Bon bah... A plus les gars, hein. Bonne nuit.